Ah, il me dit, oui. Le micro. Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers, madame, mes chers messieurs, très honoré moi-même et mes confrères aujourd'hui de vous accueillir dans cet événement qu'on organise sous l'égide de la coordination des organisations islamiques suisses et en partenariat avec la Fondation islamique et culturelle d'El Beit à Genève. Aujourd'hui, nous organisons aujourd'hui, nous organisons, je m'excuse parce que je suis sur les deux, nous organisons notre 15e événement, un événement très spécial car il arrive après deux années qui marquent notre création, la création de CRI, Voix des victimes, et aussi cet événement marque notre partenariat avec la coordination des organisations islamiques suisses. Le colloque aujourd'hui a eu beaucoup de réactions depuis son annonce, et ce, par les réactions que nous avons reçues. Il y a ceux qui s'interrogent sur le pourquoi de ce thème, pourquoi nous proposons l'intégration des musulmans, les défis et les stratégies. Et il y a même ceux qui nous accusent de contribuer par ce titre à l'islamophobie, car comme si les musulmans nécessitent un traitement spécial, voire à les considérer comme des non-humanistes, entre parenthèses. Il y a beaucoup qui s'interrogent aussi pourquoi maintenant, alors que les citoyens de confession musulmane subissent de violentes attaques de détestation, de haine et de marginalisation et de peur. En plus de ça, il y avait cette question de votation de 13 juin sur les mesures policières concernant lutte et prévention contre la radicalisation. Il y avait des gens qui pensent que traiter ce sujet va approfondir le risque de voter sur ce loi qui est considéré par la majorité des musulmans comme une loi discriminatoire qui donne beaucoup de liberté à l'autorité administrative pour apprécier, évaluer et pour juger l'application et la pratique religieuse. Aujourd'hui, après 2 ans d'existence, on a réussi. Malgré la méfiance, la sous-estimation parfois de l'autorité, parfois des personnes, on a réussi à établir un protocole de travail crédible, un travail de fond, un travail quantifiable au niveau de lutte et prévention contre radicalisation. Et j'aimerais bien signaler quelque chose à l'opinion publique. Je pense que le scandale de la réception d'un imam connu par son discours de haine, ses prêches de terrorisme, etc., dans le canton de Vaud, durant les années 2015 et 2018, dans le cadre de la campagne électorale d'un parti tunisien, est considéré comme un scandale. Parce que lorsqu'on exclut de la communauté musulmane des partis et on insiste sur la base de dépôt de demande de reconnaissance, de discuter seulement, exclusivement, d'une façon illégale, avec un seul composant de la communauté musulmane, c'est risqué. C'est risqué et nous sommes en train de refaire le même défaut qu'on a fait à Genève lorsqu'on a décidé de discuter seulement avec les wahhabites. Et maintenant, le centre de Lausanne, de Genève est fermé, mais il faut poser la question. Qui a endoctriné les terroristes qui ont fait les opérations du Maroc? Qui a endoctriné les voyages vers la Syrie? Il faut poser la question. Aujourd'hui, au niveau de la canton de Vaud, nous sommes en train de refaire les mêmes défauts. Je pense que la réponse de responsable concernant l'accueil d'un imam radicalisé, erreur de casting, c'est un scandale. Le casting, ça veut dire nous sommes prêts à faire
à appliquer double discours, à appliquer le maquillage d'hypocrisie pour réussir à avoir des subventions, etc. L'essentiel pour nous, ce n'est pas d'avoir des subventions, ce n'est pas d'avoir de la reconnaissance, c'est de prévenir la radicalisation qui menace la communauté musulmane, c'est prévenir le terrorisme, et c'est de garder, la tolérance sur la terre suisse. J'aimerais bien, à cette occasion, remercier mon professeur et mon cher ami Ralph Benchir qui m'a conseillé à propos des thèmes, à propos de la méthodologie, à propos des personnes à solliciter. J'aimerais bien remercier tous les intervenants qui ont accepté avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de disponibilité d'être avec nous. J'aimerais bien aussi remercier mon professeur Hatem Bensen qui m'a conseillé aussi. J'aimerais bien remercier la communauté sunnite, la communauté chiite. Je pense que la coordination islamique suisse qui est en train de réorganiser, de vivre la restructuration, la modernisation interne. Il est en train de suivre un objectif difficile, mais c'est légal. C'est l'unification de la scène musulmane, l'unification entre sunnites, chiites et alaouites, et surtout l'unification pour lutter contre l'islam politique ou la manipulation parce que l'islam politique, la manipulation politique de l'islam. J'espère que le message qui a été divulgué par les journaux suisses concernant l'accueil de l'imam radicalisé va motiver pour l'intérêt de la Suisse et la position du canton va motiver vers plus d'ouverture pour les associations, surtout les associations qui travaillent au fond. Aujourd'hui, c'est insensé, c'est inconcevable que, par exemple, une plateforme cantonale de radicalisation ne fonctionne pas, même l'adresse email ne fonctionne pas. Lorsque vous envoyez un mail à cette adresse mail, vous recevez le spam. C'est inconcevable qu'une femme qui, par exemple, chapeaute, je m'excuse, j'ai un gueule marseillais, méditerranéen un peu crédible, que la femme qui chapeaute la plateforme cantonale dise dans une formation que le Coran a été écrit 600 ans après la naissance de la prophète Mohammed. C'est inconcevable. Alors, il faut solliciter la coopération avec la communauté musulmane. On cherche pas la reconnaissance, on cherche pas les avantages financiers. On a laissé ça pour les autres. On cherche la protection et le travail du fond. Merci beaucoup. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à nos intervenants. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue au conseiller fédéral aux États. Monsieur Olivier Français, le directeur de sécurité de la municipalité de Lausanne. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue aussi à monsieur Alexandre Eneline, le président du Parti du Travail. Monsieur Olivier Pointé, aussi le député fédéral. Je cherche Monsieur Olivier Français pour Monsieur Français. Ah oui. Soyez le bienvenu, Monsieur Français. Vous êtes un homme de mobilité, même au niveau de Zoom, vous êtes mobile. C'est à vous, soyez le bienvenu, Monsieur Pierre-Antoine Hérent, le directeur. Le directeur de sécurité des affaires économiques à la municipalité de Lausanne. C'est à vous, monsieur le député. Merci, monsieur. Merci à vous tous. D'abord, mes salutations d'usage en titre et fonction. Vous êtes nombreux à nous suivre, d'après la liste que je viens de voir. Je vais essayer d'être assez synthétique et parler peut-être pas au nom du gouvernement fédéral, mais en tant qu'élu fédéral et plus particulièrement de la Romandie.
Peut-être un petit rappel historique aussi de la construction de notre pays à l'égard de tous. D'abord, c'est une collectivité de quatre régions linguistiques. C'est une collectivité aussi qui s'est formée et nous avons aussi vécu les guerres d'influence religieuse, protestants et religieux et catholiques. Et par l'effet du temps, de nombreuses collectivités, d'abord proches de notre pays, puis après plus lointaines, ont rejoint notre pays. J'en veux pour preuve l'immigration européenne, portugaise, italienne, espagnole et bien d'autres, qui ont d'ailleurs modifié l'image religieuse de notre pays, puisque par exemple le canton de Vaud, qui était à majorité protestante, est aujourd'hui plutôt à majorité catholique, mais ça a marqué la vie politique. Ça a aussi eu des effets pendant un certain temps, comme vous dites, de discrimination à l'égard de cette communauté religieuse. Aujourd'hui, les choses sont plus claires, elles sont en tout cas sur d'autres problématiques, mais il n'y a encore pas si longtemps, en tout cas à la fin du siècle passé, ces différences religieuses, même dans le monde de la chrétienté, montraient des différences. Par la suite, suite à des conflits extérieurs à l'Europe, voire même proches de l'Europe, je pense à l'Asie, à Sri Lanka, où on a eu des très fortes immigrations, on a commencé à avoir de nouvelles personnalités au sein de notre pays et qui a provoqué bien sûr quelques réactions en preuve dans ma génération des initiatives voulant refuser toute immigration au sein de notre pays qui est contraire tout simplement à l'histoire de la Suisse en particulier. Progressivement, il y a eu des effets extérieurs aux pays en conflit, puisqu'ils sont venus dans différents pays. La Suisse, d'ailleurs, n'a pas échappé à différents événements meurtriers. On a passé le cap, on a fait évoluer nos législations, et puis aussi, on a eu des progressions sociales non négligeables de ci et de là, et j'en donnerai quelques exemples dans la suite de mes propos. Bref, nous avons une histoire, et quand les conflits des Balkans sont arrivés, c'est devenu beaucoup plus sérieux sur le thème du dialogue au sein de notre société, puisqu'il y a eu des clichés qui ont été faits de ci et de là sur ces collectivités et qu'on peut-être pas arrangé les choses, en tout cas dans l'intégration de cette nouvelle collectivité. Durant ces dernières années, les autorités fédérales, cantonales, voire municipales ont multiplié des projets et des mesures pour améliorer l'intégration des collectivités, qu'elles soient issues du monde de l'islam, qu'elles soient issues aussi d'autres religions, et je fais référence au monde sri lankais en particulier. Et tout ça afin d'éviter tout type de radicalisation, et notamment la jeunesse qui est durement touchée, puisque c'est auprès d'eux en particulier qu'il y a eu des actions, et a été créé le plan d'action national de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, qu'on surnomme le PAN dans notre vocabulaire et nos jargons politiques. Le canton de Vaud a été, par exemple, et a mis en place en septembre 2018 son dispositif de prévention de radicalisation et de l'extrémisme violent. Ce sont des actes préventifs qui ont permis, de ci et de là, d'améliorer un petit peu les choses, même si tout cela n'est pas toujours facile, parce que pour remonter progressivement dans ces actions sociales, dans ces outils sociaux qui sont mis à disposition, il y a parfois la crainte d'annoncer le risque de radicalisation d'une autre ou partie de ces jeunes, et en particulier dans le milieu de l'école. Je souligne que les associations telles que les vôtres ou les lieux de rencontre tels que les vôtres peuvent permettre en tout cas de faire avancer les choses pour éviter que de ci et de là, le désarroi d'un jeune, le désarroi d'une famille ne se transforme en un acte violent sur notre territoire. Avant de renforcer la cohésion sociale, la Confédération, le canton et les communes encouragent et exigent depuis des années l'intégration des personnes immigrées. C'est un vœu pieux. Est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas? Bien sûr, chaque fois qu'il y a un échec, et je prends la référence au récent drame qu'on a vécu à Morges dans notre canton, à Lugano dans le canton du Tessin, ou à la frontière voisine, on dit que c'est un échec. Oui, c'est vrai que c'est un échec. Le parfait n'existe pas. Pas plus tard qu'hier, on a fait un débat justement sur la loi dont vous avez fait référence qui est soumise au peuple. Et finalement, comment enrayer tout ça? C'est difficile. La prévention est l'outil majeur de la collectivité. Sur la base même d'un propos que j'ai souvent dit dans votre association et lors de mes derniers propos, j'ai rappelé qu'il y a une condition pour que tout cela fonctionne bien, c'est que si on veut être respecté, il faut respecter autrui. Et ça va dans les deux sens. Et ce respect, on le retrouve au sein des assemblées. Moi-même, membre du Conseil de l'Europe, dans lequel on réunit plus de 50 pays autour de la table, et des pays sont en conflit et sont dans la même salle,
on essaye en tout cas par notre collectivité de la Suisse à ce que l'échange oral existe. C'est fondamental. L'échange entre les gens est fondamental, même si on est en conflit violent et sur lequel le pays qu'on représente est en guerre par rapport à un autre pays qui est dans cette même salle. Ce qui est difficile aujourd'hui dans notre collectivité, ce n'est pas spécifiquement par rapport à la problématique de l'intégration, c'est le choix des mots. Vous avez vu que dans notre actualité récente, des gens qui ont utilisé des mots trop violents, aujourd'hui ont des menaces de mort, et cela est inacceptable. Des gens aussi, pour faire passer leur voix, ont même brûlé des chars. C'est une autre votation du 13 juin. Mais dans notre pays, aujourd'hui, on commence à voir que même sur des thèmes qui ne sont pas automatiquement liés à un aspect purement religieux ou d'intégration, les gens aujourd'hui ne savent plus parler et pensent que la seule voix qu'ils ont, c'est finalement un acte, et un acte violent. Les gens aujourd'hui n'ont plus la référence au mot juste et à l'attention de l'autre, et je reviens sur cette notion du respect qui est fondamentale pour moi. Alors, vous avez fait référence dans votre discours d'intégration, dans cette fameuse loi que nous allons voter le 13 juin. Ce n'est pas une agression par rapport au milieu islamique ou musulman du tout. C'est l'attention que doivent avoir les forces de sécurité pour s'assurer que, visamment, les gens qui sont dans les arrois, les gens qui sont incités à la haine, et vous avez fait référence à différents événements, cela est inacceptable et il faut se donner quelques moyens. Il est clair que s'il y a un excès de la force administrative, pour reprendre vos mots, cela n'est pas tolérable. Et en cela, il y a la possibilité de ci et de là, en tout cas, de faire recours au sein de nos tribunaux et de garder un état de droit et le respect de la personne. Je pense que c'est fondamental. Et je reviens sur votre association. Vous êtes un outil, en tout cas, pour l'autorité qui est très, très important pour nous. D'abord parce qu'on peut se parler. On peut se parler aussi avec respect, et ça me paraît très, très important. Mais d'échanger l'un à l'autre et de comprendre les problèmes de l'autre, les problèmes du quotidien, parce que je pense que c'est dans le quotidien qu'on peut éviter tout simplement l'excès de violence. Et en cela, je souligne et je vous félicite en tout cas d'avoir pu associer M. Pierre-Antoine Lindbrand, qui vit tous les jours les problèmes de violence qu'on vit dans notre collectivité, mais pas seulement, comme je l'ai fait référence, par rapport à un problème ou un extrémiste religieux, mais la violence des mots, la violence des gens, et qui est bien sûr exacerbée par la situation que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois. Et cette crise de pandémie renferme les uns sur les autres. Et je pense que les moyens électroniques qu'on utilise à l'instant même nous permettent d'échanger et de dialoguer. Et il faut renforcer ce dialogue et se donner tous les moyens du dialogue, de l'échange, pour comprendre le désarroi de l'autre, pour comprendre l'erreur de l'autre, pour que des drames comme celui de Morges, des drames comme celui de Lugano ne se reproduisent pas. Il est clair que la société attend le parfait. Elle sera très, très dure avec les personnes en charge de l'autorité chaque fois qu'il y a un drame. Mais si on peut anticiper ces fameux drames et répondre justement à ce désarroi sociétal, nous devons travailler ensemble et se respecter. Voilà, je vous remercie en tout cas d'organiser régulièrement ce type d'échange. Je souhaite à vous tous un bel échange et je me réjouis en tout cas d'en lire la synthèse. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le conseiller aux États fédéraux. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue aussi à grand sommetier chiite Saïd Soubaïti. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre grand sommetier sunnite, sommetier scientifique et spirituel, professeur Akhdari. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à monsieur l'ambassadeur de la République islamique de l'Iran, madame l'ambassadrice représentante du Congrès de la coopération islamique, professeur Hatem Ben Selm, notre ami Alain Grèche, monsieur Emmanuel Duby, notre ami Dominique Nachon, porte-parole de l'Union juive pour la paix, et je passe directement la parole à notre ami monsieur le député fédéral François Pointé. Alors, mesdames, messieurs, j'arrive un peu en retard. Désolé, j'ai eu droit à la fin de l'intervention de mon collègue Olivier Français, qui est toujours fort intéressant. On parle d'intégration et je m'étais préparé à quelque chose de plus vraiment basé sur l'intégration. C'est clair que le manque d'intégration ou l'échec d'intégration conduit à des problématiques très dures. Mais quand on parle d'intégration, et là je suivrai ce que M. Français nous a dit tout à l'heure, on a d'autres problèmes à l'heure actuelle qui sont vraiment globaux. On a des tensions qui sont énormes au niveau politique, on a des gens
qui se permettent des menaces de mort. Est notre débat politique si calme en Suisse, ou qui avait l'air si calme, est en tension. Ces tensions sont exacerbées et moi, en tant que politicien, ça me fait peur. Donc, pour moi, l'intégration, ça me fait peur. Je crains des débordements. Maintenant, ça veut dire que cette intégration, ce n'est pas seulement l'intégration culturelle, c'est aussi l'intégration de toute la population qui vit en Suisse, des jeunes qui doivent apprendre à se parler et surtout à sortir de ce désarroi. Il y a un avenir pour tous les jeunes, qu'ils soient nés, qu'ils soient originaires de ce pays ou qu'ils soient arrivés dans ce pays. Et je pense que l'intégration doit être vue dans un système beaucoup plus large. Alors évidemment, vous le savez certainement, pour les votations qui sont devant nous, je n'aurai pas tout à fait la même position sécuritaire que mon prédécesseur, mais on se parle, hein, on boit des cafés ensemble et on ne se menace pas parce qu'on fait de la politique en bonne intelligence. Et si je suis réticent à cette loi qu'on va voter bientôt, c'est peut-être parce que je me positionne plus dans l'intégration et dans des mesures préventives, mais qui n'ont pas l'intervention de la police. Pour revenir un tout petit peu plus en arrière, le système politique suisse, on est à trois niveaux. Trois niveaux où chaque fois un exécutif, un législatif. J'ai l'habitude de dire que je suis dans le niveau à peu près le plus simple parce que je suis dans le législatif le plus loin du terrain. Et puis le législateur, c'est un peu la mouche du coche. Donc il empêche surtout l'exécutif de faire des bêtises et puis il le questionne beaucoup. Alors, l'intégration se joue surtout au niveau local, c'est pour ça que je me réjouis d'entendre M. Hildebrand, qui lui est tout proche du terrain, et on sait que les situations dans les villes peuvent être compliquées. M. Français l'a rappelé tout à l'heure avec pas mal d'histoires, la Suisse est une terre d'immigration. Alors, pas vraiment de réfugiés, hein, parce qu'on a une loi quand même sur les réfugiés qui est assez difficile, qui est assez dure, mais clairement une terre d'immigration économique. Nous sommes toujours en manque de main-d'œuvre depuis très longtemps et nous intégrons beaucoup de personnes qui viennent au début plus proches de nos frontières et qui viennent de plus en plus loin. Donc, on a dû aborder les problèmes d'intégration depuis très longtemps. Et alors, j'ai l'impression de dire qu'on s'en est toujours pas trop mal sorti, il y a toujours des tensions, mais on doit continuer à y travailler vraiment très fort. Et puis, c'est quoi l'objectif pour moi de l'intégration? En fait, comme libéral, je n'ai pas à juger de comment vit mon voisin tant qu'il respecte la loi et qu'il me laisse vivre. Alors évidemment, cette loi, elle est empreinte de la culture et d'une philosophie culturelle. On ne peut pas y échapper. Nos lois sont empreintes d'une culture chrétienne. Ça s'étiole un tout petit peu avec la modernisation des lois, mais on a toujours un fort recul culturel quand on fait les lois. Et c'est non négligeable. Donc voilà, c'est comment vivre tranquillement, mais là, je vous ai dit, me laisser vivre, c'est peut-être pas encore l'intégration, parce qu'on est censé quand même vivre ensemble et se parler. Et c'est là que, en fait, vient la deuxième étape pour moi. Je veux, et je pense que c'est le cas pour toute personne, qui soit immigrée ou, alors on est tous un peu des immigrés de plus ou moins loin, mais je veux vivre ma culture, je veux être en conformité avec mon éducation, je veux respecter, alors je devrais respecter, il y a des gens qui ont tendance à l'oublier, je suis aussi quelqu'un qui cherche à respecter les personnes qui m'entourent, et puis je désire être respecté et partagé. Alors, vous me direz, c'est très bien, maintenant, on sent bien le problème de l'intégration qui se pose, puisqu'il y a des gens qui se sentent en place ou qui sont en place dans un pays et des immigrants ou des cultures supplémentaires qui viennent s'ajouter dans le pays. Et c'est là qu'on se retrouve avec des problèmes d'arbitrage, d'intégration, d'incompréhension, qui sont parfois difficiles à vivre. Mais si on est très clair sur la base qu'on se donne pour commencer à se parler, je pense qu'on s'en sort beaucoup mieux.
Et puis, il y a toujours une chose qui me désole dans certains discours d'intégration, même si c'est un beau mot, le multiculturalisme. Alors, il faut savoir ce qu'on entend par multiculturalisme. C'est-à-dire que je suis totalement incapable, parce que je tiens à mes racines et qu'elles sont fortement ancrées en moi, d'intégrer toutes les cultures. C'est juste pas possible. Je peux en parler, je peux discuter avec les personnes, je peux apprécier un certain penchant culturel, mais en tout cas, ce ne sera pas ma culture au sens propre de moi. Donc, pour moi, le multiculturalisme, ça fait partie de l'intégration. Ce n'est pas une salade culturelle où on ne sait plus d'où on vient, mais ça vaut aussi pour les personnes qui viennent, qui sont immigrées. Hein. Ce n'est pas une salade culturelle, mais un échange qui doit être très fort et qui doit se baser sur des points communs qui, pour moi, sont la loi et puis un certain nombre de manières de vivre. Et puis les moyens maintenant. Là, on était dans les bonnes théories, il faut peut-être faire un peu d'application et puis savoir quels sont les outils qu'on a à disposition. Alors, pour moi, la première chose, c'est si on veut assurer une intégration, on doit comprendre comment le lieu où on habite fonctionne au niveau institutionnel. Et là, c'est pas seulement, c'est aussi pour nos jeunes qui sont nés ici et qui sont de parents qui font partie des institutions, on doit leur expliquer comment est-ce qu'on fonctionne, quel est le respect qu'on met dans nos institutions pour pouvoir continuer à se parler en bonne intelligence et puis à s'affronter aussi sur des idées. Parce que le développement d'une société, c'est aussi de s'affronter. Mais c'est quand même mieux de s'affronter lors de débats passionnés mais respectueux que de s'affronter sur les réseaux sociaux en s'insultant ou à coups de bombe ou je ne sais quel outil destructeur. Ensuite, si je regarde un peu ce qui se passe dans certains pays qui nous entourent, il y a une chose qu'on a réussi en Suisse, et j'espère qu'on va continuer, on n'a pas de ghetto dans nos villes. Les gens ont été un maximum répartis, dilués dans les villes. Et ça, c'est une question d'urbanisme et de manière de vivre ensemble. C'est-à-dire que il serait dommageable pour n'importe quel pays de se retrouver avec une intégration culturelle qui fabrique un quartier dans lequel on a l'impression de se retrouver dans ce pays. Le quartier chinois à New York, je suis désolé, on a l'impression d'être en Chine, ce n'est pas vraiment de l'intégration. Donc ça, c'est très important. Puis ensuite, il y a les associations. On dit se parler, se rencontrer. On a dans notre pays, en Suisse, une très grosse culture de l'association. Les sociétés de gym, les sociétés de sport, les sociétés de musique. On crée des associations de manière permanente pour se rencontrer parce que c'est un système qui nous va bien. Ces associations sont ouvertes et cette rencontre se fait sur des moyens qui sont pour moi excellents. Il faut faire comprendre ce système-là aux personnes qui désirent s'intégrer. Et en règle générale, je connais très peu d'associations ouvertes, qu'elles soient culturelles ou sportives, qui ne cherchent pas à intégrer des nouveaux membres, quelle que soit leur culture. Et puis, c'est aussi, M. Français l'a dit tout à l'heure, c'est aussi des associations comme les vôtres, ou des associations à but culturel pour une certaine culture qui permet d'aider vos membres à s'intégrer, d'aider vos membres à comprendre comment ça fonctionne, et puis d'ouvrir les dialogues, parce que c'est la base de tout. Et je pense que s'il y a un mot que je dois donner quand on parle d'intégration, c'est évidemment le dialogue, le débat passionné, mais le débat respectueux, pour qu'on puisse vivre le plus harmonieusement possible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement des problèmes de différence de culture, il y a aussi des différences d'âge, des différences de manière de vivre qui font que les tensions doivent être apaisées pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Je vous remercie pour m'avoir invité et m'avoir permis de m'exprimer. Merci beaucoup, tout l'honneur pour nous. Avant de passer, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue à Madame l'ambassadrice représentante de l'UNESCO au Conseil international des droits de l'homme. J'aimerais bien aussi souhaiter la bienvenue à Monsieur le directeur général adjoint du bureau de lutte et prévention contre le terrorisme aux Nations Unies.
Je termine avec les représentants politiques. Notre cher ami Pierre-Antoine Hillebrand, j'aimerais bien un mot de reconnaissance, de remerciement pour la qualité de votre travail, pour la qualité aussi pour vos agissements, votre principe et votre méthode de travail basée sur l'ouverture sur les communautés, la considération, le respect. Je pense que votre passage en tant que directeur de sécurité a été un passage remarquable parce que vous avez réussi votre mission, vous avez réussi à diminuer la criminalité, vous avez réussi à établir du dialogue avec tous les intervenants et les entités actives sur la scène lausannoise, mais surtout l'approche sécurité, votre approche de travail basée sur la sécurité, c'est égal lutte et prévention contre la discrimination et l'exclusion. C'est très important. C'est très important. J'espère que beaucoup les autres comprennent ça. Merci beaucoup. C'est à vous, monsieur le municipal. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous salue toutes et tous en vos titres, fonctions et qualités. Je me réjouis de à nouveau pouvoir échanger avec votre organisation, votre association, et je salue la qualité du panel présenté. Je me réjouis d'avoir entendu le conseiller aux États Olivier Français et ses compliments. Il a occupé de hautes fonctions à Lausanne et j'essaye modestement de lui succéder dans un certain nombre de dossiers, et je me suis aussi réjoui d'entendre le Conseil national pointé. Mon exposé sera en trois parties, pas trop long. Vous m'aviez donné beaucoup de temps, mais vu le nombre d'intervenants, je pense que je vais pouvoir simplifier un tout petit peu. D'abord, dire d'où je parle, parce que c'est compliqué de parler d'intégration quand, comme moi, on peut dire qu'on n'a jamais connu ce problème. Je le dis de façon assez simple, je suis suisse, né en Suisse, de parents suisses, de grands-parents suisses, ayant toujours habité dans cette partie du pays, sans difficulté, j'étais à la campagne. Alors la classe dans laquelle j'étais, il y avait des Suisses, de mémoire. Et puis, la question de l'intégration ne se posait pas vraiment, puisque sur le plan socio-économique, eh bien, j'habitais une maison dont mes parents étaient propriétaires, mais qui elle-même appartenait encore à des gens de la famille avant. Mon père était un médecin de campagne, ma mère était à la maison et faisait travailler dans le domaine des arts. Et donc, la question d'intégration, pour moi, c'est pas beaucoup posé. Et on ne peut pas tout à fait dire que déménager de la campagne à la ville de Lausanne a été une expérience traumatisante ou particulière, puisque l'intégration s'est faite naturellement dans le parcours scolaire et universitaire. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et la responsabilité de m'occuper à la fois de la sécurité et de l'économie à Lausanne. Et il faut bien le dire, les questions économiques sont très importantes durant cette période de pandémie, avec toutes les questions liées au marché, aux établissements, au commerce, enfin vous imaginez bien, mais le reste du temps, c'est évidemment les questions de sécurité qui l'emportent dans mon travail quotidien. À ce titre, j'ai également la responsabilité d'une police complète, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de policiers en uniforme, mais également d'une police judiciaire qui mène des enquêtes, y compris sur des sujets sensibles, pour autant que la police fédérale ne soit pas compétente. Vous dire aussi que la ville de Lausanne se caractérise par une très grande diversité. Diversité puisque plus de 40% de la population est d'origine étrangère, ce qui est très important pour une ville, même si on sait qu'en Suisse, le taux d'étrangers est assez élevé du fait des nombreuses difficultés à acquérir la nationalité suisse, difficultés qui s'allègent progressivement. En tout cas, toutes les réformes de ces dernières années allaient plutôt dans le sens d'un allègement. La proportion de population étrangère est très importante. C'est traditionnellement le cas dans des villes qui sont les principales portes de l'immigration économique, mais c'est aussi une des caractéristiques de la Suisse. La Suisse, et le Conseil des États-Unis français l'a bien dit, a connu plusieurs phases dans son rapport avec l'étranger. Pour prendre la période moderne, je passe la période, de l'époque où la Suisse était très pauvre et beaucoup de ses enfants
partaient à l'étranger. Hein, il faut se rappeler de toute cette situation. Mais grosso modo, depuis plus d'un siècle, la situation est plutôt inverse. La Suisse accueille beaucoup. La Suisse a d'abord accueilli à l'époque moderne, après la guerre, des personnes d'origine italienne et uniquement pour des motifs économiques. Les personnes ne pouvaient venir que durant une certaine période, les choses étaient très cadrées et le seul angle de relation était prévu sous l'angle économique. Je le dis parce que les choses ont évidemment beaucoup changé et les sources d'immigration se sont diversifiées. Et puis, comme libéral radical, c'est-à-dire un parti de centre-droite attaché à l'économie de marché, à une démocratie sociale dans le cadre du marché, démocratie libérale par ailleurs, eh bien, je crois sincèrement que la majorité des problèmes posés par l'intégration ou par la volonté d'intégration, les difficultés d'intégration, se résolvent par l'intégration économique. Finalement, la Suisse a réussi à intégrer une population étrangère assez facilement, malgré pas forcément une culture d'ouverture très, très répandue, mais parce que du moment que la situation économique était bonne, eh bien, les tensions étaient faibles, culturelles, mais finalement, dans les rapports économiques, on a assez bien réussi. Néanmoins, l'histoire de l'émigration en Suisse et de l'intégration basée sur l'économie a connu un certain nombre de difficultés au moment où il y a eu des crises économiques. Les crises économiques des années 70, les périodes inflationnistes, les périodes de montée du chômage ont donné naissance à des sentiments de rejet et ont conduit à différentes autorités à prendre des choix. Vous le savez, le système suisse est fédéral, il y a un niveau communal, un niveau cantonal et un niveau fédéral. Des règles ont été posées au niveau fédéral, mais comme assez souvent, ensuite, l'exécution et la prise en charge concrète a été déléguée, reprise en charge au niveau lausannois. Et c'est intéressant de savoir que la commune de Lausanne, elle, a lancé tout un système d'intégration. Il y a plus de 40 ans, le bureau lausannois pour l'intégration avait été créé en son temps par un syndic radical et par un conseiller municipal démocrate chrétien, M. Muni, le dernier à Lausanne, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire dans ce domaine. Et le premier domaine dans lequel le travail a été fait, c'était aider à la recherche de logement. Comme libéral radical, je pense que la première intégration, c'est le travail. Mais évidemment, si vous n'avez pas de logement, vous pouvez difficilement trouver un travail. Vous pouvez difficilement scolariser vos enfants, vous entrez dans un cycle très compliqué. Aujourd'hui, les personnes qui viennent à Lausanne sont accueillies dans 11 langues par ce bureau qui reste spécialisé dans le contact avec les gérances immobilières pour la recherche de logement. On a aussi fait des gros efforts en matière d'intégration scolaire et le travail se déroule assez bien de ce point de vue-là. Donc, il y a tout un travail qui a été fait pour agir en direction des communautés et de l'intégration, l'accueil, je l'ai dit, dans le domaine du logement, le conseil, notamment en matière d'assurance maladie, pour que les personnes soient bien assurées dans ces différents domaines, le conseil à la formation, cela a été dit, la langue est évidemment un facteur d'intégration. Si vous ne parlez pas la langue, eh bien, vous avez des difficultés à trouver certains emplois, vous ne pouvez pas aider vos enfants à l'école. Et ce qu'on a remarqué, un peu de façon contre-intuitive, c'est que aider aux mains maintien et à la valorisation de la langue des parents, notamment étrangères, eh bien, était une façon aussi de renforcer l'image des parents chez les enfants et de favoriser leur intégration scolaire. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, on pourrait se dire que finalement le but est que les gens apprennent la langue du lieu le plus vite possible et s'y consacrent uniquement. Mais en fait, si vous valorisez également les connaissances des parents, vous aidez les parents à jouer leur rôle éducatif, vous valorisez également la bonne cohabitation des cultures. Ensuite, il y a tout un travail d'information sur les prestations qui peuvent être possibles et aussi de lutter pour l'intégration en luttant contre le racisme. Il y a donc un double phénomène d'intégration pour les personnes qui cherchent à s'intégrer et phénomène aussi de sensibilisation à leurs droits, à leur pouvoir vis-à-vis des personnes qui nuiraient à leur intégration par leur rejet.
il y a tout un travail de sensibilisation qui est également fait dans les écoles, avec des colloques, avec des rencontres dans ces différents domaines. Et puis, l'idée aussi est d'engager les différentes personnes qui ne peuvent pas travailler, je pense à des mères de famille sans formation, par exemple, à se mettre ensemble pour pouvoir garder ensemble les enfants et puis progressivement prendre confiance sur leurs capacités et revenir dans le jeu au moment où leurs enfants sont plus à l'école. Avec la casquette de la sécurité, évidemment qu'il y a tout un travail de veille par rapport à ce qui menace l'intégration, c'est-à-dire les manifestations de racisme, de rejet, avec tout un dispositif pénal voté dans le cadre du droit fédéral qui lutte contre un certain nombre de discriminations, mais aussi dans le domaine de la police, j'ai à m'occuper des cimetières. Alors, vous direz, mais où est le point sur l'intégration dans les cimetières? Eh bien, je pense que l'intégration est un double phénomène, phénomène pour la personne qui cherche à s'intégrer, mais aussi phénomène pour la société qui accueille ces personnes en son sein. Et dans les éléments fondamentaux qui sont constitutifs de la personne humaine, il y a son système de croyance, sa religion, et notamment sa religion au moment qui compte le plus. À l'évidence, la religion est, je ne dirais pas là pour, mais en tout cas, a une importance au moment de la mort. Je crois que c'est une des principales consolations que l'être humain peut trouver dans la religion, en tout cas pour une partie des personnes qui sont religieuses, aussi une forme d'espérance, quels que soient les termes que l'on utilise dans ce contexte-là, par rapport soit à trouver une certaine justice dans un autre monde par rapport à des souffrances endurées sur Terre, mais en tout cas dans un système de valeurs. C'est dire si les cérémonies entourant la mort sont importantes, que ce soit sur le plan familial, mais aussi sur le plan communautaire. Et il y a un des projets qui m'a tenu à cœur parce qu'il répondait à une demande profonde, et je travaille sur d'autres projets actuellement par rapport à d'autres communautés que la communauté musulmane, c'est celui de la création qui avait été faite lors de la précédente législature d'un espace confessionnel au cimetière du Bois de Vaux. Le cimetière du Bois de Vaux est un lieu créé par l'architecte Alfred ou Alphonse Laverrière. C'est un immense cimetière historique, magnifique, avec des vieux arbres. Il y a la tombe de Coco Chanel notamment. Et puis, il y a deux, trois têtes couronnées qui avaient fini en exil à Lausanne aussi. Mais il a été demandé par différents représentants de la communauté musulmane de pouvoir bénéficier d'un espace pour pouvoir enterrer les corps dans la configuration religieuse vis-à-vis de la Mecque. Et ça a été possible d'une part parce que certaines parcelles s'y prêtaient, avec aussi le souhait de pouvoir bénéficier de durées prolongées, ce qui a été fait dans le cadre des Galles suisses, c'est-à-dire moyennant des concessions renouvelables, mais payantes par rapport à la gratuité qui est offerte pour les tombes à la ligne, mais qui, elle, est limitée dans le temps par rapport à ça. Et voilà un élément concret où, par un accommodement raisonnable par rapport à des croyances extrêmement fondamentales, il était possible de travailler sur l'intégration. Dernier point, je ne veux pas vous prendre trop de temps, celui sur la réflexion sur la protection des différentes communautés religieuses en lien avec la sécurité. La Confédération a débloqué un certain nombre de montants pour permettre aux lieux de culte menacés par des attaques de toutes sortes et de tous bords de pouvoir être mieux protégés. Et si des projets sont construits avec les autorités de sécurité, il est possible d'obtenir un certain nombre de subventions pour soit des mécanismes de type physique, soit des mécanismes d'aide à la sécurité. Nous contribuons volontiers dans ce domaine également à la protection des personnes, mais aussi à une bonne intégration des différents lieux de culte dans le territoire lausannois. Voilà en quelques gros traits une partie des préoccupations très locales. Je dirais en dernier que le bureau lausannois pour l'intégration, c'est 9 collaborateurs et un budget d'aide d'environ 150 000 francs, ce qui correspond grosso modo à 1 franc par habitant de la ville de Lausanne.
Merci beaucoup de votre attention et bonne suite de colloque. Merci beaucoup, monsieur le municipal. J'aimerais bien dire que nos chers politiciens ils vont nous quitter pour des engagements politiques, etc., au sein des commissions, soit cantonales, fédérales, etc. Merci beaucoup pour votre, monsieur Français, monsieur Pointé, monsieur Hedvan, merci beaucoup pour votre considération, votre présence. J'aimerais bien, avant de venir, nous étions droite, l'extrême droite, on va venir au Parti du Travail, l'extrême gauche. J'aimerais bien céder la parole à notre ami, mon ami personnellement, mon professeur, qui j'ai appris beaucoup de lui, qui mon cadre personnellement, m'oriente, M. Galb Benchir, président de la Fondation Islam de France. C'est un homme qui travaille en discrétion, loin de lumière, hein, loin de lumière, malgré les accusations de quelques bon. Mais il travaille pour le bien-être de l'islam moderne, de l'islam de conciliation, de dialogue et de tolérance. Avant de céder la parole à notre cher ami professeur Galb Benchir, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue à notre cher ami professeur Hatem Ben Selm, ancien ministre, ancien diplomate, conseiller des Nations Unies, conseiller expert aussi dans la LESCO, c'est l'Organisation arabe de l'éducation. C'est ça, oui. Je cède la parole à notre, un peu de fatigue à cause du diabète, je cède la parole à notre cher ami, professeur Galb Benchir. Merci bien, merci infiniment. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est moi qui suis extrêmement heureux de m'adresser à vous. Et je vous prie de croire que ce n'est pas qu'un simple exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé. Je suis ravi de m'adresser à vous, d'aborder cette problématique que je ne connais pas en ce qui concerne le contexte suisse, et je me garderai d'être dans l'outrecuidance de donner telle ou telle orientation ou telle leçon, encore moins. En revanche, d'une manière générale, en ce qui concerne la présence des musulmans en Europe et dans le contexte que je connais le moins mal, qui est le contexte français, et qui peut aider nos amis et nos voisins suisses, je pourrais faire un témoignage. J'ai été sensible aux propos laudatif et élogieux de notre ami à tous, Jalil, certes, mais je ne suis qu'un témoin ce soir. Et mon intervention, dont j'ai déjà mangé une bonne partie de son temps, n'est que sur le plan du témoignage. Et je ne suis pas sûr d'œuvrer pour l'islam de tolérance. Claudel, on lui attribue d'avoir dit « il y a des maisons pour cela ». Mais en tout cas, un islam éclairé, nous eussions tous aimé qu'il n'y eût pas d'épithète à coller à l'islam, libéral, éclairé, merveilleux, extraordinaire, ce qui aggrave la situation parce qu'on penserait que la règle générale est à l'extrémisme et au fondamentalisme et au salafisme, mais par extraordinaire, on a un islam qu'il faut encore qualifier. Voilà, ça c'est d'une manière générale. Maintenant, pour ce qui concerne l'intégration des musulmans. Encore une fois, je ne sais pas quel est le cas suisse et j'ai été ravi d'entendre au moins les deux interventions où j'ai appris beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne la France, je tiens à le dire, nous en avons marre et nous sommes fatigués de ce mot et du mot « intégration ». Et je ne sais pas qui intègre qui. Cela fait partie des initiales en « i » qui hystérisent le débat en France. Nous avons « immigration », « intégration », « identité », « insécurité » et « islam », les fameux « i » qui posent a priori problème. Ils en posent. Je ne dis pas, je ne les élude jamais. Je suis un farouche adepte de la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Il faut d'abord voir chez soi, en soi, les manquements.
les manquements à la citoyenneté, les manquements à la parole donnée, les manquements à la solidarité, les manquements à l'éthique, les manquements à l'éducation. Et ça, c'est un énorme travail qu'il faudrait mener d'abord chez soi, en soi, dans sa famille propre et, si j'ose dire, dans sa communauté. Je sais qu'en France, le vocabulaire est piégé. Je ne sais pas ce que ça veut dire « communauté » pour nos amis suisses, mais en tout cas, la communauté helvétique, pour nous, est un modèle. Bien. Donc, il y a des sérieuses difficultés, et donc, si les débats sont hystérisés et hystériques, ce n'est pas pour rien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut de la lucidité, de la froideur d'esprit, un peu d'intelligence, un peu de sagesse, si je puis dire, oui. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'intégration, il y a un sérieux problème. D'un côté, on nous dit qu'il y a des citoyens français de confession islamique et on ose parler de cinquième génération. Ben, quand on est de cinquième génération, on est de souche. Parce que je ne sais pas quand commence la souche. C'est un peu le fameux problème de l'embryologiste qui ne sait pas quand est-ce que le tétard devient grenouille. Et c'est vrai, c'est un vrai problème chez le zoologiste qui ne sait pas quand est-ce que le tétard devient grenouille. Mutatis mutandis, et avec le respect absolu que j'ai pour la dignité humaine. Et là-dessus, et je reviendrai sur les problèmes majeurs, on ne peut pas continuer de parler d'intégration avec des citoyens dont on dit qu'ils sont de cinquième génération et qui avaient globalement payé, s'étaient acquittés du tribut, du sang, de la sueur et des larmes. Maintenant, pourquoi avons-nous des difficultés? Et elles sont réelles. D'abord, notamment en France, mais je pense aussi en Europe, sur une dernière décennie ou presque, en tout cas en ce qui concerne la France, des attentats meurtriers, ignominieux, inacceptables, ont été perpétrés au nom de la tradition religieuse islamique. Est-ce encore nécessaire de dire nous les condamnons? Oui, il faut le dire. Nous les fustigeons, récusons, condamnons, dénonçons avec force. La perversion de l'enseignement d'amour, de bonté, de miséricorde est quelque chose que nous n'accepterons jamais. Et il incombe aux responsables, aux hiérarques musulmans de le dire et de continuer à le faire savoir. Les phrases de type « halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam » ne suffisent pas. Et dans certains cas, sont inaudibles. Au moins, si on avait dit ceci n'a rien à voir avec mon islam. Mais le dire comme ça d'une manière générale, alors qu'il est devenu synonyme d'épouvante, ce n'est pas suffisant, il faut trouver autre chose. Bien. Deuxième idée, il faut savoir que les musulmans sont, en tout cas d'un point de vue juridique, et je le dis sous le contrôle et l'autorité des juristes présents, sont de deux catégories, ou des citoyens ou des résidents. Et j'ai cru comprendre qu'en Suisse, la proportion des étrangers est beaucoup plus importante à cause de la citoyenneté dont il est difficile d'acquérir avec la naturalisation, en tout cas l'obtention de la nationalité. S'il s'agit de résidents, en tout cas pour la France et l'Europe, eh bien, ne serait-ce que pour des considérations de savoir-vivre, de savoir-faire, d'être bien éduqué et d'être respectueux des normes, des coutumes, des traditions en place, et on ne vient pas les bousculer. Il faut être reconnaissant et respectueux de ce qui se passe. C'est la moindre des choses. Et puis, ces personnes rendent compte à leur légation, à leur consulat, à leurs ambassades, et si ça leur plaît de vivre dans ce contexte-là, ils doivent tenir compte de la psychosociologie globale et de l'idée globale, de la psyché collective, des contextes et des sociétés dans lesquelles ils ont choisi de venir vivre, bien entendu. Quand il s'agit des citoyens, c'est vrai
qu'à cause, et je me réjouis d'apprendre qu'en Suisse, il n'y a pas de ghetto, ben, ben, malheureusement, en France, nous avons ce que d'aucuns, dans la pudeur du langage administratif, on appelle les quartiers prioritaires. Mais en réalité, ce sont des quartiers défavorisés, ce sont des quartiers dits de zones sensibles, ce sont des quartiers laissés pour compte, bien entendu. Et donc, la difficulté est aussi d'ordre social. En réalité, ces difficultés dont nous parlons relèvent d'une condensation multidimensionnelle et plurifactorielle. Il y a l'approche sociale ou sociologisante, il y a l'approche politique, il y a des rapports géostratégiques dans les rapports internationaux, et nous sommes à ce qui se passe en ce moment même au Proche-Orient. Il y a aussi l'approche psychologique, et sur celle-là, je m'appesantis quelques instants. On a des jeunes gens en carence affective, en absence d'autorité du père, en absence de repère, avec des failles identitaires, etc., avec des échecs scolaires, bien entendu. Et puis, d'autres nous parlent aussi de nihilisme, de lecture apocalyptique et millénariste de cette violence. Et puis, moi, j'insiste sur la lecture théologique et aussi l'approche culturelle. La lecture théologique, il est temps de refonder une pensée théologique renouvelée qui aille de pair avec les acquis de la modernité intellectuelle et politique, et notamment ce qui concerne les questions de séparation de l'ordre politique, de l'ordre religieux, et aussi les questions de liberté fondamentale, les questions d'égalité, d'égalité foncière et ontologique entre les êtres humains, par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, les questions de désacralisation de la violence, les questions aussi de l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Donc, vous voyez bien que les chantiers sont titanesques. Et puis, bien sûr, il y a le champ de la culture. L'extrémisme, c'est le culte sans la culture. Nous avons notre ami Olivier Roy qui parle de la religion sans la culture en ce qui concerne sa sainte ignorance. Donc, voilà, les sentiers sont là. Donc, il faut éduquer, instruire, œuvrer pour l'acquisition du savoir afin de respecter les lois en vigueur. Un citoyen se doit de respecter les lois, notamment commencer par la loi fondamentale, par la Constitution. La loi positive, la législation en place, et y participer. Donc, il faut une bonne intégration, si je dois utiliser le mot, est un investissement dans le champ politique. Participer à la gestion des affaires de la cité. Et pour cela, il faut que ce soit aussi des deux côtés. Je me réjouis d'avoir entendu, il y a d'un côté, et je pense l'avoir entendu du conseiller, de monsieur le conseiller national tout à l'heure, il y a celui qui doit être intégré, et puis il y a aussi le fameux pouvoir intégrateur de la société, et notamment de l'école. Et ici, je parle plutôt de l'école de la République. Voilà globalement, la mission est de la plus haute importance. Il incombe aux familles d'abord, dans un élan d'éducation, de préparer le citoyen, et ça c'est important, mais aussi à l'école, ici en France de la République, mais je pense d'une manière générale à l'institution scolaire, de préparer les citoyens dans une approche où l'on aiguise l'entendement, où l'on prépare à l'esprit critique et on laisse place aussi à la raison. Et cela est important de part et d'autre pour une société, a fortiori lorsqu'elle est composite, plurielle, diversifiée, je ne dirais pas multiculturaliste aussi à mon tour, mais je dirais de culture hybride,
l'hybridation de la culture est aussi importante. L'enrichissement de ces sociétés de la dimension civilisationnelle islamique est important. N'oublions pas, sans verser dans une apologie mièvre et ridicule, que l'islam, comme religion, a sous-tendu l'islam écrit avec Conti, une civilisation impériale. Et ces apports peuvent aider de nos jours des sociétés en perte de sens, comme on dit maintenant. Et ça me paraît aussi important. Et c'est ce à quoi nous œuvrons. Donc, l'aspect culturel, l'aspect éducatif, les aspects sociaux sont de la plus haute importance dans cette question d'un partage d'une citoyenneté véritable. Et c'est, au lieu de parler d'intégration, parlons d'une citoyenneté commune, une citoyenneté riche de ses différentes composantes. Et ça, c'est ce à quoi nous œuvrons tous. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, professeur Ghalib Mcheikh, d'être avec nous malgré les engagements. J'aimerais bien signaler quelque chose que nous sommes en train de discuter avec M. Ghalib Mcheikh, une forme de partenariat entre notre association, la coordination des organisations suisses et la Fondation Islam de France, comme prévint aussi Dora, notre ami docteur Dora Mahamri, aussi en train de discuter ça. J'aimerais bien, merci beaucoup professeur, j'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre ami docteur Roberto Simona du groupe de dialogue dans la commission des évêques suisses du groupe de dialogue avec les musulmans, monsieur Bassem Digrab du centre islamique de Lausanne. Et c'est avec un grand honneur que je cède la parole maintenant à ce grand monsieur qui s'appelle Alain Grèche, ce journaliste libre, l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, actuel rédacteur de l'Orient XX. Lorsqu'on a posté notre action, vous étiez parmi les gens qui ont reçu beaucoup, la grande part des critiques. Hein. Bon, il y avait M. Yann Hamel qui s'est excusé à la dernière minute. Il a reçu plus que vous, hein. Heureusement pour lui qu'il n'est pas présent aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un honneur que vous soyez avec nous. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu à notre amie Madame Najet Vaillou-Bilguès, l'ancienne ministre de l'Éducation française. C'est à vous, notre cher ami Alain Grèche. Bonsoir et merci à vous pour votre invitation. Mon site s'appelle Orient 21. C'est la diabète. La diabète qui... C'est Orient 21, mais effectivement, on se rend compte que de plus en plus de gens ne savent, enfin, notamment parmi les jeunes générations, ne savent plus ce que c'est 21 écrit au 21e siècle. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour les. J'ai été très intéressé aussi par tout ce qui a été dit, par ce qu'a dit Ghalib Mcheikh. Je ne vous cacherai pas que je commence à être fatigué de toutes ces discussions. Pas chez vous, pas dans ce sens. Mais depuis 30 ans que je participe plus ou moins à des discussions sur l'islam, j'ai l'impression que non seulement on n'avance pas, mais j'ai l'impression que chaque année, ça devient pire, que chaque année, je veux dire presque chaque jour, en France en tous les cas, on vit dans un climat qui me semble vraiment inquiétant concernant l'islam de France, avec des propos qui confinent au racisme. Hier, on a pu voir un chroniqueur expliquer que ça n'a rien à voir, mais Benzema, il n'avait qu'à aller jouer en Algérie. On peut avoir un chroniqueur qui a été condamné deux fois pour racisme et qui continue à intervenir, notamment sur les questions de l'islam. Il s'agit, vous l'avez deviné, de M. Zemmour. On peut avoir aujourd'hui ou hier une tribune dans le Figaro qui appelle à défendre Israël, ce qui est évidemment tout à fait leur droit. Mais présentant Israël comme défendant la civilisation occidentale contre le danger islamique.
Et parmi les signataires, il y a Madame Batiorge, donc je crois qu'elle est citoyenne suisse aujourd'hui, et qui est l'inventrice, si on peut dire, du concept d'euro-abia, qui est l'idée que l'Europe est en train d'être colonisée par les musulmans, pas par les islamistes, par les musulmans. Donc, on a l'impression, et en France, j'ai l'impression depuis quelques mois que ça s'est encore aggravé, que nous vivons dans un contexte très difficile, et dans lequel il est difficile d'avoir des débats sereins qui seraient nécessaires, parce qu'il y a, et c'est normal, différentes approches, différentes manières de concevoir l'avenir de la société française, mais qui me semblent inquiétants. Si je devais dire quelque chose à propos de l'avenir et de ce qu'on appelle l'intégration, et comme M. Bencher, je n'aime pas tellement ce terme d'intégration qui me semble très... Mais l'idée de construire une société dans laquelle nous vivions tous... ensemble, pas côte à côte, ensemble vraiment, je dirais que j'ai tendance à dire qu'il faudrait laisser l'islam et les musulmans tranquilles. Il y a plein de choses dont nous, les autorités ou les responsables s'occupent et n'ont pas à s'en occuper. Et on a la chance en France de vivre avec une grande loi qui a été une grande loi historique, qui est la loi de 1905 et qui a permis de créer une jurisprudence sur la place respective de l'État et des églises. Ce n'était pas seulement l'Église catholique, à l'époque c'était aussi les protestants et les juifs. Dans laquelle finalement l'idée a été que chacun s'occupe de ses affaires. Bien sûr, il y a des points d'intersection, mais que globalement, les églises sont libres de s'organiser comme elles le souhaitent, selon les règles qu'elles souhaitent, et l'État assure le fait qu'il y a un libre exercice des cultes, mais ne s'ingère pas dans les doctrines religieuses. Il y a eu dans le débat sur la loi de 1905 un épisode très amusant. La loi prévoyait de céder, vous savez qu'en France, les églises avaient été nationalisées, en 1791 ou 12, je ne sais plus, et qu'il fallait gérer ces églises. Et donc, on a dit qu'on allait créer des associations cultuelles pour gérer ces églises. Et il y a des députés qui ont dit, oui, mais si, par exemple, pour Notre-Dame de Paris, il se crée deux associations catholiques qui demandent chacune de gérer cette église, qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse a été dire, On accepte les gens qui reconnaissent l'autorité du pape. Ce qui était une manière de dire l'Église s'organise comme elle veut, comme elle veut. Ce n'est pas à la République de dire comment doit s'organiser le catholicisme, même s'il y avait des catholiques qui étaient plutôt pour dire qu'il fallait trouver une forme de rupture avec la papauté. Donc, ça me semble important de comprendre qu'on peut... je veux dire, chacune des religions défend des dogmes, mais l'État n'a pas à s'ingérer dans ces dogmes. L'Église catholique en France est depuis longtemps contre le mariage pour tous, contre le divorce, etc. Personne n'a exigé de l'Église catholique qu'elle se conforme aux lois de la République, enfin qu'elle se conforme à l'esprit des lois de la République. On n'oblige pas les gens à divorcer, si les gens ne veulent pas, ils ne le font pas, mais ils ont le droit de le faire. Mais on ne demande pas, on ne condamne pas un prêtre qui va monter en chaire, enfin on ne monte plus je crois aujourd'hui en chaire, et qui va dire « je suis contre le divorce ». Donc il y a quelque chose qui me semble important qu'il faudrait avoir aussi à l'égard de l'islam, c'est que l'État est agnostique en manière, si je peux dire, en manière de dogme religieux. Alors, il y a des débats dans l'islam de France, il y a des gens qui aspirent, et y compris moi, à ce qu'émerge de manière plus forte un islam de France. Mais c'est d'abord l'affaire des musulmans eux-mêmes. Ce n'est pas l'affaire des autorités. Ce n'est pas l'affaire de l'État. Ce n'est pas l'État aujourd'hui de pouvoir décider qui sont les bons imams ou non. De ce point de vue, je pense que les nouvelles lois adoptées, qui à mon avis visent essentiellement les musulmans, qui est la loi sur le séparatisme, elle a changé de nom, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce qu'on change tellement de fois de non, de dire qui sont les bons imams ou non. Ce qu'on demande, c'est que les imams respectent les lois de la République. Les lois de la République, c'est qu'il n'y a pas de discours de haine et qu'il n'y a pas de possibilité de tenir des meetings politiques dans les, dans les,
dans les lieux de culte. Mais après, ce que ces imams disent, il faut, enfin, des fois, il faut le combattre, ou les gens peuvent décider de combattre, mais c'est aux musulmans eux-mêmes de le faire. Et plus il y a cette idée de l'État de choisir qui sont les bons musulmans, je pense plus on les discrédite, parce qu'ils apparaissent aux yeux d'une partie de la population musulmane comme des gens manipulés par l'étranger. L'autre chose que je voudrais dire, je voudrais pas, enfin, on a un temps de limité, c'est que dans la vision qui s'installe en France, il y a quelque chose qui s'appelle la communauté musulmane. Franchement, pour qui a fréquenté des musulmans, aussi bien les associations que tout, il n'y a rien qui… Comment dire ? Bien sûr, la religion les unit, mais la diversité prédomine. Ils croient tous en une même religion, mais déjà, les divisions d'origine nationale, les divisions sociales, les divisions… Il y a mille et une manières d'être musulman en France. Et comme on sait, c'est-à-dire on n'arrive pas à savoir combien de musulmans il y a en France, parce que d'un côté, bon, on n'interroge pas en principe les gens sur leur religion, et de l'autre, parce que il y a, quand on fait des sondages et qu'on demande aux gens c'est quoi être musulman aujourd'hui, on a un phénomène qui est un peu qui ressemble à ce qu'a connu la communauté juive. C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent musulmans parce qu'ils pratiquent, et puis il y a des gens qui se disent musulmans parce qu'ils sont de culture musulmane, mais au sens très large. Et puis moi, je connais des gens qui se disent, maintenant, on dit qu'on est musulman athée parce qu'on ne veut pas renier la communauté dont on est originaire, compte tenu du racisme et des pressions qu'elle subit. Donc on a une très grande diversité. Et présenter aujourd'hui ces communautés musulmanes comme un danger pour la société française, c'est oublier plusieurs choses. D'abord qu'elles sont très minoritaires, c'est-à-dire que on est entre 4 et 6 millions de musulmans selon la définition qu'on en donne, que souvent, mais pas tout le temps, parce qu'heureusement, il y a effectivement aujourd'hui des nouvelles générations de musulmans qui sont à l'université, qui occupent des postes, mais globalement, la proportion de gens d'origine modeste est plus importante. Et cette diversité, il faut en tenir compte. Alors aujourd'hui, on nous parle, M. Bencher a parlé des ghettos et dire en France il y a des ghettos. C'est le président Macron qui l'a dit. Avant tout, ces ghettos, c'est des ghettos sociaux. C'est des ghettos que la République a créés d'une manière ou d'une autre et dans lesquels il y a un problème d'éducation, d'accès à la santé, etc., etc. Si aujourd'hui la Seine-Saint-Denis est un des départements les plus touchés par le Covid, ce n'est pas un hasard et ça n'a pas de rapport ni de près ni de loin avec l'islam. Mais ce qui a un rapport, c'est qu'une partie importante de ces populations sont d'origine musulmane. Et là, effectivement, sur cette base-là, qu'il y ait des groupes sectaires qui profitent de cette situation et qui, à partir de ces ghettos, offrent une perspective, si je peux dire, à un certain nombre de jeunes, oui, ça existe. C'est comme il y a d'ailleurs des groupes fondamentalistes chrétiens qui, dans les communautés d'origine africaine, chrétiennes, ont une influence. Voilà, mais la manière de combattre ça, à mon avis, c'est non seulement combattre les ghettos, d'un côté, et puis permettre aux musulmans d'être des citoyens normaux comme les autres, qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout le monde. Alors, bien sûr, il y a la question du terrorisme, et je ne veux pas la négliger, mais d'abord, bien sûr, une partie de ces gens qui commettent des actes terroristes le font au nom de l'islam. Même si on constate souvent dans les études sociologiques que beaucoup ont un rapport très lâche avec l'islam, qui n'en connaissent pas grand-chose, certains sont des convertis de fraîche date, etc., etc. C'est simplement aujourd'hui, l'islam leur offre une espèce de cadre comme ça qui permet d'exprimer leur révolte. Il faut, face à ça, une réponse policière. C'est normal, je veux dire. De même qu'on combat tous les groupes extrémistes, il faut les combattre. Mais si on veut vraiment éradiquer ces tendances, il faut éradiquer, comment dire, leur source de là où ils tirent leur force. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans ces quartiers-là qu'ils peuvent venir à ces groupes. C'est donc ça qu'il faut
éradiquer, c'est-à-dire éradiquer cette pauvreté, cette ghettoisation, etc. C'est très intéressant, d'ailleurs, moi je dis souvent, mais vous savez, des fois quand j'entends les discours qu'il y a en France sur l'islam et les musulmans, mais je me dis, c'est des discours qui font le jeu de l'État islamique. Qu'est-ce que dit l'État islamique aux jeunes musulmans aujourd'hui en France? Il leur dit, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas européen, regardez la société comme elle vous rejette. Alors une partie des gens acceptent ce discours, une partie non, mais c'est ce discours, je crois, qu'il faut casser. Donc, en conclusion, je dirais ce que j'ai dit au début, laissons l'islam et laissons les musulmans plus tranquilles et je crois qu'on avancera vers la solution des problèmes. Je vous remercie. Au micro, Abdeljalil. Je cède la parole maintenant à notre ami professeur Hatem Ben Salem, puis Saïd Soubaïti, puis monsieur Roberto Simona, puis c'est professeur Ben Yahya qui va prendre en charge. C'est à vous, professeur Ben Salem. Merci beaucoup, Abdeljalil, et mes salutations amicales à tous les participants. Je souhaite d'abord commencer par dire que pour moi aussi, le terme intégration m'indispose quelque part et me met mal à l'aise parce que dans la définition même de ce terme d'intégration, il y a un rapport d'inégalité entre intégrateur et intégré et cela ne peut pas être l'apanage d'une politique ou d'une stratégie à mettre en œuvre pour des communautés, quelles qu'elles soient, musulmanes ou autres. Ça, c'est une première chose à laquelle je souhaite vraiment ajouter le fait que, pour ce qui me concerne, et revenant au titre même de la thématique de notre débat, je crois qu'il est très, très important en matière de défi de relever le fait qu'il s'agit d'abord de voir ou de cerner le défi de la citoyenneté. Ce terme de citoyenneté est à la base même de l'appartenance à un pays, à une nation. Et je crois, je ne reviendrai pas à toute la littérature et à toute l'histoire depuis la Révolution française, mais je souhaite tout simplement dire que peut-être, en tout cas probablement pour moi, en ce qui me concerne, le plus grand défi à relever aujourd'hui au sein des États européens, c'est ce défi d'asseoir une véritable citoyenneté de droits et de devoirs. Et cette citoyenneté-là, elle ne s'acquiert pas par l'observation ou par l'indifférence, elle s'acquiert aussi, peut-être surtout, par la lutte pour les droits. Et cette lutte pour les droits doit se faire, le professeur Belchir l'a dit, dans le cadre du respect de la Constitution et des lois du pays ou des pays dans lesquels évoluent ces communautés musulmanes. Lorsque je parle citoyenneté, je pèse énormément l'impact de ce mot sur notre histoire et surtout sur notre avenir, non seulement en Europe, mais je parle d'une façon générale de l'humanité. Aujourd'hui, face à une situation très, très, très difficile, très fragile au niveau international, vous voyez tout simplement ce qui s'est passé, le professeur Grech en a parlé, ce qui se passe à partir du moment où l'on commence à, disons, à cristalliser des problèmes dans d'autres régions, dans les communautés ou dans les États qui sont les États européens, on peut avoir des conséquences vraiment catastrophiques pour et le statut citoyen et pour l'avenir des communautés musulmanes en Europe. Donc, le grand défi, c'est celui de la citoyenneté. Est-ce qu'il a été déjà fait assez pour cela? Moi, je pense personnellement que non, parce que cette question de ghettoisation, cette exclusion que l'on sent, que ressentent les jeunes, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, que ces jeunes ressentent jusqu'à aujourd'hui, est la preuve irréfutable qu'il y a un vrai problème de citoyenneté dans certains pays européens.
Donc, c'est aux États de prendre en charge ce problème de la citoyenneté et le problème de l'appartenance. Ceci d'un côté. D'un autre côté, quelle est la stratégie à mettre en place? Et là, je suis d'accord avec Alain Grèche lorsqu'il dit qu'il est fatigué, qu'il en a marre, puisque nous aussi, nous avons débattu de ces questions durant les 30 dernières années. Moi, j'ai été au ministère des Affaires étrangères et à plusieurs reprises, on a eu des débats très, très importants au niveau de Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, de la Méditerranée sur ces questions d'intégration, d'immigration, de lutte antiterroriste, etc. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit se passer en Europe, et particulièrement cette flambée ultranationaliste, cette montée vraisemblablement inexorable du populisme qui est en train de miner, de vicier tout avenir, d'hypothéquer tout avenir de ces générations, je crois qu'aujourd'hui, la stratégie, la seule stratégie, c'est d'investir en l'humain. C'est-à-dire d'abord de mettre tout ce qui est en le pouvoir des États dans l'éducation, dans l'école, dans le renforcement des sociétés civiles. Et là, je dois dire, en toute honnêteté, moi qui ai été souvent en contact avec les Européens et surtout à travers Bruxelles, je dois dire toute ma consternation face à l'absence totale de l'Europe. L'Europe, c'est les frontières, l'Europe, c'est Schengen, l'Europe, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. L'Europe n'agit pas, n'investit pas, et Dieu seul sait si on a les moyens, n'investit pas justement dans cet aspect humain, dans cet aspect qui pourra demain donner plus de chances à tous, créer les vraies inégalités, les vraies égalités, créer les vraies fraternités et mettre en place une société où il fait vraiment bon vivre. L'Europe ne s'investit pas dans cela. C'est là une des plus grandes défaillances de l'action européenne et on en parle peu. L'Europe, c'est Frontex. L'Europe, c'est ces bateaux d'immigrants qui passent de la rive sud de la Méditerranée au nord. C'est aujourd'hui un commissaire européen et la ministre des Affaires intérieures italienne à Tunis pour essayer de voir. C'est ce qu'on a vu hier à Ceuta, au Maroc, donc, et en Espagne. Donc, il y a un vrai problème européen qu'il faudra poser en toute clarté, en toute transparence, et qu'il faudra résoudre, parce que quel est le problème que l'Europe vit aujourd'hui? C'est le problème du tout théorique. Il n'y a pas, on ne sent pas, il n'y a pas de pragmatisme, il n'y a pas de véritable politique, il n'y a pas de stratégie mise en œuvre pour parer à ces dysfonctionnements qui seront demain le plus grand problème de l'Europe. Et je pèse mes mots, nous sommes en train aujourd'hui de voir un paysage politique européen qui est en train de se durcir dans l'indifférence quasi générale. Alain Grèche parlait de ce chroniqueur condamné qui se voit même candidat à la présidentielle en France. C'est un drame que certainement beaucoup de citoyens européens vivent et que nous, de l'autre côté, sur l'autre rive de la Méditerranée, craignons le plus. Donc, pour moi, le plus important, c'est de travailler les fondamentaux afin de mettre en place l'environnement positif nécessaire pour créer de vraies citoyennetés et, deuxièmement, d'investir dans l'humain, dans l'éducation particulièrement. J'en parle en connaissance de cause. J'ai été ministre de l'Éducation à deux reprises en Tunisie et je sais quel peut être l'impact de l'éducation pour lutter contre les extrémismes, contre le radicalisme, contre toutes les exclusions. Donc voilà le message que je veux passer. C'est un message particulier à l'Europe qui est spectatrice et qui ne joue pas réellement son rôle aujourd'hui. Merci à vous. Merci, professeur Hakim Ben Salem. Je cède la parole maintenant à Saïd Soubaïti. C'est à vous, Saïd. Merci pour vous donner la d'abord, chance. D'abord, j'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre cher ami Dr Malik Hamidi, l'expert connu, l'écrivain, l'essayiste et la féministe connue. Oui, c'est à vous, cher. Merci de vous donner la chance de vous parler.
Tout d'abord, je commence au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. Chers invités, mesdames, messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le verset des lentes connaissances dans les nobles Corans dit « Ô peuple, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaissance. » Dans ce verset, on trouve une philosophie intégrée sur la relation entre les gens semblables ou différents. Durant ces quelques minutes, je vais essayer de clarifier certains angles de cette philosophie coranique sur la relation entre les gens à la vie mondaine. Dans ce verset d'entre connaissances, nous trouvons trois aspects. Premièrement, l'aspect constitutionnel représenté dans le passage « Au peuple, je t'ai créé d'un homme et d'une femme, et fait de toi le peuple et de tribus. » Les gens humains d'appeler le Coran à une origine semblable chez tout le monde, qui est la rencontre d'un mâle et de la femelle. Ainsi alors, la différence entre les gens provient de la façon de faire divine et que Dieu, tout exalté, aurait voulu créer les humains qui se diffèrent les uns des autres. Deuxièmement, la réforme pénale représentée dans les passages suivants. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, qui déclare que la dignité auprès de Dieu ne serait que la piété, et non comme certains les prétendent, la lignée, la colère ou la race. La troisième dimension, c'est la reconnaissance de l'autre. Après l'avoir connu sur la base des droits de l'homme, y compris le droit à la vie, la liberté de croyance et les mentions du choix humain. Cependant, les rapprochements entre le peuple sur la base de la connaissance et reconnaissance est plus proche de la nature de l'être humain que de la tolérance. C'est le mot tolérance n'est pas sans référence à reconnaissance d'une erreur entre les connaissances et négligée. Bref, si je peux vous résumer, chère madame, monsieur, l'intégration commence par se connaître en première place, ensuite reconnaître l'autre et l'accepter comme il est, par prévalence de valeurs et droits fondamentaux de l'humain. Se connaître entre différents groupes ne peut que nous enrichir sur les plans humanistes et dissiper toutes sources et causes des malentendances. Je vous remercie pour m'entendre. Merci. Et je vous souhaite tout le succès, Inch'Allah. Merci, docteur. Merci. Docteur Roberto Simona du groupe de dialogue Islam, puis nous devons céder à Monsieur Prodard, docteur Prodard, parce qu'il doit partir. C'est à vous, docteur Simona. Merci. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Arrivederci, buonasera, hein, à l'italien. Hein. Alors, la deuxième religion de la Suisse est l'islam. Représenter des citoyennes et des citoyens suisses qui, selon moi, et j'en suis certain par la grande partie de la population du pays, sont considérés et doivent être considérés comme partie de notre pays, de notre culture et de notre histoire. Mais ce fait n'empêche pas pourtant que les musulmans suisses doivent faire face à la question sur l'intégration d'une religion qui, comme le christianisme ou d'autres,
n'est pas forcément toujours comprise. Le sujet du colloque d'aujourd'hui est certainement d'une importance primordiale pour la Suisse et pour notre société en général. Le sujet peut être traité de manière diverse. Pour cette raison, je me permets de me limiter à une brève réflexion sur une situation qui me tient particulièrement à cœur, également à ma qualité de chercheur sur les droits humains et homme de terrain. Je vais partager quelques réflexions sur l'accueil des musulmans qui souhaitent trouver refuge dans notre pays, ici en Suisse. Quelles idées risquent de s'attacher au mot « réfugié musulman » qui, en ce XXIe siècle, se réfère comme jamais à ces dizaines de millions de personnes qui souhaitent, ont dû ou ont pris la décision de quitter leur pays. Bien des fois, les idées vis-à-vis de réfugiés musulmans, mais également envers toute personne ou groupe de personnes, se forment sur la base des informations entendues ou lues. Le classement d'une personne influence et parfois détermine le regard et ainsi oriente déjà la rencontre avec un homme et une femme provenant d'un autre pays, appartenant à autre culture, qui possède d'autres croyances ou qui adhère à une autre religion. Évidemment, il y a des questions qui surgissent et interpellent l'aide dont les réfugiés musulmans ont besoin pour son intégration dans notre société, ici en Suisse. Par exemple, il est des fois légitime de savoir si le réfugié a quitté son lieu parce qu'il est victime ou parce qu'il est la cause d'actes d'injustice, voire d'actes de violence. Cette connaissance, toutefois, ne doit pas être un motif a priori pour expulser le réfugié, mais nécessite un discernement. Le discernement est une lumière pour aider le réfugié à retrouver la vraie route de la vie. Alors, comment percevoir l'amour de la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a dû quitter son pays pour venir chez nous afin d'avoir de l'aide, du soutien et dans l'espoir d'une vie qu'elle ou il n'a pas pu ou su réaliser auparavant. Et attention avec le mot amour. Le mot amour, ça veut dire vouloir le bien pour l'autre. Et le bien pour l'autre, c'est aussi le bien pour moi-même, pour nous. C'est dans un esprit de profonde liberté intérieure que nous arrivons à écouter et voir l'autre. Vraiment, dans cet esprit de liberté intérieure qui nous permet de retrouver cet important aspect humain que nous sommes en train de perdre depuis le début du XXIe siècle. L'intégration des réfugiés musulmans est aussi un temps pour se rappeler que l'amour témoigné par des personnes comme Jésus et Mohammed s'est révélé par leur conscience, leur lien authentique avec Dieu et pas par des sentiments. Le choix de vouloir garder une conscience toujours en éveil est exigeant et grand. La conscience est un élément fondamental pour toutes ces personnes qui ont reçu du pouvoir. Mais c'est uniquement par ce chemin qu'il est possible de changer ce monde qui semble s'orienter de plus en plus à partir d'intérêts égocentriques et de pouvoir. Pourtant, cette terre créée par Dieu sollicite et demande que chaque homme et chaque femme puisse vivre dans la dignité avec un temps de travail et un temps de repos. Un homme d'une profonde spiritualité, philosophe et psychologue que j'ai connu durant une réflexion sur le sujet de la liberté en cette année 2021, a bouleversé une partie de son public par ces mots qui, pourtant, rappellent les enseignements de la Bible et du Coran. Je cite ce qu'il a dit. « La plupart des gens préféraient se jeter tête baissée dans les bonnes actions, dans les projets et les dévouements plutôt
que de se soumettre au feu brûlant de l'ascétisme. » Fin de sa citation. Il est vrai, c'est dans le lien avec Dieu que nous apprenons à accueillir le réfugié dans le même esprit que celui que Jésus et Mohammed ont manifesté envers ces personnes qui n'appartenaient pas à leur communauté. Donc, souhaitons que le colloque d'aujourd'hui puisse garder ou réveiller cet amour qui permet de voir réellement, et pas à travers nos seuls sentiments, le réfugié musulman que nous avons rencontré, entendu parler, ou que nous allons rencontrer par grâce au cours de notre vie. Merci. On vous entend pas, monsieur Dib. Je suis en... Ton micro, Gélil. Merci, docteur Roberto Simona. Je m'excuse. Merci, docteur Roberto Simona, pour votre intervention. On accélère un peu parce qu'on aime terminer tout. Je cède la parole à notre ami Bassem Digrap, du centre, porte-parole du Centre islamique de Lausanne. Monsieur Diri, merci de vous donner la parole. Je remercie tous ceux qui m'ont précédé dans le discours qu'ils ont donné. Ça m'a permis d'écouter beaucoup de choses afin de pouvoir réagir et essayer de recentrer un peu le débat. Je remercie principalement les représentants de nos autorités d'avoir voulu participer à ce colloque, ce que malheureusement nos confrères côté français souffrent. Parce que justement, ils disent des choses, mais que les représentants des autorités françaises ne sont pas là pour les écouter. J'aimerais ramener la chose sur notre territoire suisse et essayer de nous focaliser sur ce thème d'intégration, puisque on a parlé de citoyens, on a parlé de résidents, etc. Mais en Suisse, l'intégration... dans les lois, c'est une exigence relevant des droits des étrangers. Donc, il n'est pas question de parler d'intégration par rapport aux citoyens suisses, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. La thématique de l'intégration, elle touche les étrangers, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Alors, avant de parler du centre islamique, est-ce que le centre islamique fait pour l'intégration des étrangers musulmans en Suisse pour qu'ils deviennent des citoyens, je juste ferai un rappel historique sur ces lois qui existent dans nos pays, qui nous permettent d'être dans une meilleure situation que certains pays voisins et de travailler dans la sérénité en nous concentrant sur vraiment des choses essentielles pour avancer. Donc, la Confédération, en 2006, elle avait mandaté une commission pour établir un rapport sur l'intégration qui s'appelle « Problème d'intégration des ressortissants étrangers en Suisse ». Donc, on parle toujours des étrangers. Et ce rapport a dressé un inventaire des faits et des causes et des risques d'intégration. En résumé, ce rapport qui a par la suite permis d'établir une loi fédérale pour l'intégration des étrangers en Suisse, il a cité trois critères fondamentaux qui doivent être respectés afin que l'étranger puisse s'intégrer en Suisse. Il a cité le critère social, le critère économique et le critère linguistique. Maintenant, par la suite, il y a la loi dans la Confédération en 2008, qui a établi que l'intégration des étrangers, elle doit être dans le domaine économique, social et culturel. C'est à ce moment-là qu'on a intégré le terme culturel dans l'intégration des étrangers. Et il est clair que là, comme M. Pointet l'a soulevé, la multiculturalité
multiculturalité, etc., a surgi sur le devant de la scène. Et ils ont considéré que l'intégration linguistique n'est pas un critère, mais tout en reconnaissant que c'est une condition sine qua non à l'intégration professionnelle et sociale. Donc il y a un cadre qui définit bien dans notre pays, pour les musulmans et les non-musulmans, les critères d'intégration pour les étrangers. On ne parle jamais d'intégration des citoyens musulmans suisses dans notre pays. Bien sûr, il y a certains dérapages qui existent, qui sont dans un sens ou dans l'autre. Je ne peux que citer le problème auquel certains citoyens suisses d'origine convertie font face et qu'on attend de leur part un certain effort d'intégration. Mais c'est aberrant. Mais on n'a pas les problèmes de la France en Suisse. Et moi, mon discours s'adresse à nos représentants auprès de l'État, que ce soit M. Français, M. Pointet et M. Hildebrandt, que certains je connais personnellement, que je remercie de participer à ce genre de colloque, parce que leur participation montre aux citoyens musulmans que nos autorités sont là, elles les écoutent, et elles veillent à leur bien-être autant qu'aux autres citoyens. Cette présence-là, justement, fait qu'il y a une paix sur ce point-là en Suisse. Maintenant, pour juste répondre à mes collègues qui sont du côté français, la Suisse, les problèmes de la France, c'est réside dans l'histoire coloniale. Le problème de la France, c'est qu'elle a des citoyens qui sont issus du colonialisme, qui n'ont pas la même reconnaissance citoyenne que les citoyens musulmans suisses. Et je voudrais vraiment que nos autorités veillent à ne pas importer les problèmes des musulmans d'autres pays en Europe, en Suisse, pour qu'on puisse toujours, comme l'a dit M. Bencheir et M. Ben Salem, que la Suisse soit toujours un modèle que eux importent et que nous, on n'importe pas leurs problèmes dans notre pays. Maintenant, pour faire le lien, l'intégration en Suisse, telle qu'elle a été définie dans la loi, elle dit l'intégration désigne un processus social qui repose sur le principe de la réciprocité et suppose d'une part que les étrangers soient disposés à s'intégrer et d'autre part que la population suisse fasse preuve d'ouverture à leur égard, et son objectif est de favoriser la coexistence sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuelle. Alors, M. Pointet a parlé de respect. Moi, je rebondis sur ce qu'il a dit. Le respect vient du respect des institutions. À partir du moment où les institutions servent tous les citoyens, musulmans et non musulmans, le respect de ces institutions fait en sorte, ça permet à la communauté musulmane de s'attacher à ce pays et de le considérer comme sa patrie. D'ailleurs, si on se rappelle un peu quand il y a eu à l'époque de Kadhafi, quand il a appelé les musulmans d'Europe à se soulever, etc., la réaction de la communauté musulmane suisse, comment elle a réagi? On ne veut pas que vous vous mêlez de notre façon de vivre dans ce pays. Donc le musulman suisse, il est attaché à ce pays et il le manifeste. Et il le manifeste par respect des institutions de ce pays auxquelles il est attaché. Et c'est ce que, maintenant je rebondis sur notre rôle en tant qu'association, rôle associatif de la communauté musulmane à Lausanne, que M. Hildebrandt connaît très bien. Nous, notre bataille sur le terrain, c'est justement de faire encourager et apprendre à nos citoyens et aux musulmans étrangers qui viennent pour s'intégrer en Suisse le respect de ces institutions. Et comment contribuer favorablement et positivement à l'essor de ce pays-là. Et là, je vais rebondir sur les trois critères principaux
qui étaient dans le rapport de 2006, l'intégration économique, l'intégration sociale et l'intégration linguistique. M. Hildebrandt l'a dit, lorsque le citoyen s'intègre économiquement, une grande partie des problèmes auxquels on est confronté peut se résoudre dans le calme, etc. Et c'est là que le défi pour nous en Suisse existe, parce qu'il y a une certaine discrimination économique pour la jeunesse musulmane dans laquelle elle est confrontée. Nous le savons parce qu'on reçoit des retours, des feedbacks de notre jeunesse qui se plaint qu'ils n'ont pas les mêmes chances de trouver des places d'apprentissage à partir du moment où une fille est voilée. D'accord, donc là, on est confronté à une demande d'intégration vestimentaire qui n'existe même pas dans la loi, ou parce que monsieur s'appelle Mohamed ou Abdullah, etc., qui rencontre aussi cette difficulté pour pouvoir profiter de ce que les institutions ont mis en place. Alors, chez nous, à la mosquée de Lausanne, on encourage la communauté. En deux minutes, M. Degra, parce qu'il y a M. Brodart et M. Manuel. Oui, j'ai fini. Dans 30 secondes, je vous donne la parole. Merci. D'accord. Je me réfère à une parole du prophète Mohammed qui a dit la main supérieure, elle est meilleure que la main inférieure. C'est-à-dire la main qui donne est une main qui est meilleure que la main qui reçoit. On utilise cet argument-là pour encourager notre communauté à travailler, à participer, à contribuer et ne pas dépendre de l'aide sociale, etc. Pour parler de l'intégration sociale, aussi on fait référence à ce que le prophète Mohammed a dit, de se préoccuper de son voisin comme on doit se préoccuper de soi-même. Et le voisin, ce n'est pas seulement le voisin du palier. Donc c'est dans ce sens-là qu'on fait l'effort encourager les musulmans à s'intégrer socialement dans la société. Et puis l'intégration linguistique, c'est celle de pouvoir échanger, et on encourage et on participe même à un effort d'enseignement de la langue du pays à la communauté musulmane étrangère qui vient ici. Et je prends pour preuve que le discours de vendredi qui se fait dans notre mosquée, il se fait en français et en arabe, parce qu'il est impératif que la langue du pays soit diffusée parmi la communauté. Voilà, j'ai fait un témoignage par rapport à la mosquée de Lausanne, j'ai essayé de recadrer la notion de l'intégration qui déplaît, parce qu'effectivement, elle déplaît à partir du moment où elle touche les citoyens, alors qu'elle ne doit pas toucher les citoyens. L'intégration, comme elle est définie dans la loi en Suisse, c'est une exigence relevant du droit des étrangers. Merci. Merci, M. Degrappe, même notre ami Maurice Hussein, il vous salue de la Fondation d'Ahl al-Bayt. J'aimerais bien remercier Maurice qui m'a aidé beaucoup pour les préparatifs. Et il vous salue parce qu'il dit que vous touchez le bois, vous touchez l'essentiel. Maintenant, j'aimerais bien céder la parole, céder mes attributions à M. Boumedine Benyahia, qui est le secrétaire général de la coordination islamique suisse, pour qu'il gère le reste. Il y a M. Brodart qui doit nous quitter avant 8 heures, puis M. Emmanuel Duby, puis les femmes, pour ne pas être accusées de la sous-estimation des femmes. C'est à vous, M. Merci. Merci. Merci infiniment, M. Dari. Alors, tout d'abord, je salue tout le monde, je vous remercie pour votre présence. Le temps alloué à ce colloque, quelque part essentiel, fondamental, central, vital pour nous tous. Je remercie en premier lieu M. Dari pour l'organisation de ce colloque, pour tous les efforts émis. Collaboration, bien sûr, avec le CRI, Voix des victimes, en tant que secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses et au nom du président qui aujourd'hui est absent malheureusement et qui m'a chargé de vous transmettre aussi son message de paix, de tolérance et surtout par rapport à un message de cohésion de tous nos efforts
pour pouvoir renforcer le lien qui nous lie par le biais de la science, de la connaissance, des liens sociaux par le biais de la religion et surtout par le biais des bienfaits, si vous voulez, publics et institutionnels qui nous lient à jamais, qu'on le veuille ou pas, dans ce pays. Et bien sûr, c'est le même cas pour tous les autres pays. Pour ma part, je souhaite alors, docteur Afshar, qui vous salue et qui, au nom de la coordination des organisations islamiques de Suisse, souhaite et touche en réalité un point qui n'a pas jusqu'alors été mentionné parmi nous depuis le début de ce colloque, c'est à savoir ce terme clé, si vous voulez, c'est le terme de l'unification ou l'union des citoyens musulmans entre eux. Cette organisation, si vous voulez, cette coordination, elle a pour objectif suprême, et ça c'est très important, c'est tout d'abord de retisser les liens entre la communauté musulmane. Alors, le terme communauté, bien sûr, peut prêter à des connotations différentes de part et d'autre, de nos frontières géographiques, mais le terme ici de communauté vise tout simplement les citoyens suisses ou les citoyens français, enfin je parle au nom des citoyens suisses, mais ça concerne aussi les citoyens français, les citoyens belges, etc. en Europe. Et ce terme a une signification, si vous voulez, un signifié assez particulier, à savoir la représentativité au sein de notre coordination des organisations, organisations islamiques en Suisse, et au sein de notre coordination, tous les courants, et c'est ça le fond du message du président Afshar, c'est que tous les courants sont appelés, sont quelque part représentés et ont leur part d'être représentés par cette coordination. Coordination que, je le rappelle, est la plus vieille fondée en Suisse depuis plus de 40 ans, et que dont Dr Afshar, professeur Afshar, est membre aussi des conseils de religion de Suisse. Cela nous amène à, si vous voulez, par le tissage de toutes ces graines que j'espère au fin fond de moi-même apporteront une vie pérenne, si vous voulez, aux citoyens suisse de manière particulière, mais aussi aux citoyens de manière générale en Europe, et plus particulièrement pour les musulmans que nous représentons par le biais de cette volonté suprême. Et je précise le mot, cette volonté suprême de réunir les sunnites et les chiites. Car la réalisation, si vous voulez, de cette osmose, de cette harmonie, de cette, alors le terme intégration peut-être poserait problème quelque part sur le plan, si vous voulez, sémantique, selon les connotations de part et d'autre, mais cette intégration, insertion, j'ose le terme immersion, immersion de tous dans le même océan de cette vie qui nous lie par les règles et par les lois et par, si vous voulez, la culture de manière générale de ce pays. L'union des musulmans, qu'ils soient chiites, alors, on le sait très, très bien, hein, au sein de cette organisation, la représentation, si vous voulez, et je salue au passage tous ceux qui œuvrent avec professeur Afshar et président du CAIOS, la coordination des organisations islamiques suisses, notamment Cheikh Mourid Hussein, mais aussi Cheikh Amir Mararchi, qui œuvre depuis très, très, très longtemps justement pour réaliser cette union, car l'union fait la force, la représentation, la représentativité, si vous voulez, des musulmans par le biais de notre organisation pourrait être beaucoup plus efficace en collaboration étroite, en immersion totale avec les pouvoirs publics, les pouvoirs au niveau cantonal, au niveau fédéral. Et ô combien des choses ont été dites ce soir qui vont, si vous voulez, dans le bon sens et qui rappellent le substrat commun de tous, le substrat humain au-delà des technicités ou des apports, si vous voulez, des conseils techniques des uns et des autres. Et ce substrat humain ne peut être réalisé que par cette unification de toutes les forces religieuses,
sociologique, le culturel et public. Hein, et c'est le dessin même de la volonté suprême du Kaios qui ne peut qu'approuver cela et qui ne peut que promouvoir cela. En tendant la main et en renforçant les liens qui existent déjà. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes, beaucoup de choses qui existent, beaucoup de chercheurs travaillent aussi sur ces questions. Et il ne faut pas oublier ce support qui existe et qui est indéniable pour nous tous pour pouvoir construire davantage, veiller à l'harmonie de la société et partager nos expériences, nos expérimentations, si vous voulez, de manière pérenne et efficace. Avant de céder la parole au docteur Emmanuel Dupuy, puis après au docteur Baptiste Brodard, et puis après, bien sûr, au docteur Malika Hamidi, je rappelle tout simplement que nous sommes tous réunis ici dans ce colloque, et il faudrait qu'on en sorte, si vous voulez, avec non pas un résultat théorique, mais un résultat d'implication, d'imprégnation, d'engagement réel, concret, hein, visible, qui sera visibilisé par tous et toutes au sein et à la fin de ce colloque, à ce que nous soyons tous réunis pour réconcilier d'abord, hein, si vous voulez, au sein des courants islamiques représentés en Suisse, les sunnites de manière générale, avec toute leur sensibilité, les chiites de manière aussi générale d'autre part, avec toute leur sensibilité, afin de pouvoir avoir le terreau, si vous voulez, de cette citoyenneté qui existe et qui existera jamais à mes yeux, et sans conteste, j'ai là toute certitude. Nous sommes réunis, nous sommes unis, vous avez tous une responsabilité civile, civique, professionnelle, humaine. Et c'est cette question de l'humus qui est très importante. Nous avons tous cette responsabilité d'œuvrer pour cette unification, cette union qui est le seul rempart, si vous voulez, foncier, le seul rempart foncier qui a le caractère universel pour faire face à l'intégrisme, à la violence, à l'extrémisme, au radicalisme, au terrorisme et à toutes les formes de discrimination qui puissent exister dans une société donnée, malgré et belgré, si vous me permettez, les différences, les sensibilités, les oppositions qui peuvent, sur le plan idéal ou sur le plan de la pensée, nous opposer. Nos oppositions ne doivent être qu'un terreau, justement, pour construire cet avenir pérenne, plein d'espoir, de paix, d'harmonie et de paix. Voilà, je cède la parole à... Non, juste une clarification, oui. Professeur Boumedine, parce que ça a été prévu que Dr Dorra Mohamri intervienne, mais puisque M. Degrappe il a insisté d'intervenir pour des raisons d'urgence, permettez-moi, je vous prie de céder la parole à notre cher Dr Dorra Mohamri, puis vous prenez le... C'est à vous, Madame Mohamri. Bonjour à tous. Ben, tout d'abord, à l'instar hein, de mes collègues, je souhaiterais dire la joie que je ressens à l'idée de partager le fruit de mes réflexions scientifiques avec vous et de vous remercier, M. Abdejlil, pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter à cet événement prometteur en termes, déjà très prometteur en termes d'échanges et de débats. Donc, je me présente très, très rapidement. Je suis docteur Dorra Mohamri Chambi, docteur en histoire contemporaine et en sciences politiques, rattachée au groupe Société, Religion, Laïcité, donc tout au pluriel, une unité mixte du CNRS et de l'École pratique des hautes études. Et puis mon champ d'intervention en fait, scientifique se situe dans le contexte français et européen. À l'instar un peu de mes collègues français, je ne connais que très peu le contexte suisse, mais et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, comparaison n'est pas forcément raison. Donc, mon champ d'investigation scientifique concerne l'islam en France et en Europe, et plus particulièrement en France, du 19e siècle à nos jours. Et j'ai travaillé également sur la laïcité avec le professeur Jean Bobéro
la fabrique de la laïcité et plus généralement la sécularisation dans nos sociétés contemporaines. Donc, je précise que la laïcité à la française ou la laïcité à l'américaine, etc., chaque pays a sa propre singularité également. Et puis, je suis l'auteur d'un rapport relatif au retour de zones irako-syriennes et j'aborde plus précisément la prévention de la radicalisation, des radicalisations ou des radicalités et la gestion a posteriori de l'entrée dans la radicalisation. Donc voilà, c'est histoire de me présenter. Et le débat justement qui nous réunit aujourd'hui, bien sûr, concerne des questions d'intégration. Alors, je mets ça entre guillemets parce que comme mes collègues, je ne souscris que très modérément à l'emploi de ce terme ou en tout cas à la non-explication scientifique de ce terme. On parle aussi beaucoup d'assimilation dans le contexte français. Et là, ça a trait à la résurgence, en tout cas, de ce que j'appelle l'impensée coloniale. Alors, finalement, ce débat nous permet d'atteindre une hauteur de vue visant à déconstruire, en réalité, les effets souvent négatifs d'une polarisation politico-médiatique autour de ces acceptions utilisées couramment et qui vise trop souvent à définir les musulmans, en tout cas, comme une entité homogène, dénuée de particularités et de particularismes, en occultant la diversité de leurs trajectoires respectives. Donc la problématique qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de savoir s'il s'agit d'intégrer le fait musulman dans nos sociétés occidentales ou d'intégrer les musulmans. Dans ce cas, ce n'est pas vraiment la même chose. Et donc, en tant que chercheur, je me dois de rappeler que l'intégration, en fait, c'est un processus finalement ethnologique qui permet à une personne ou à un groupe de personnes de se rapprocher et devenir membre d'un autre groupe plus vaste par l'adoption de valeurs, par l'adoption de normes communes. C'est un peu un processus de socialisation visant à naturaliser certains codes. Et la question de l'islam, en tout cas en France, pour le terrain que je connais particulièrement, est inscrite dans le registre du temps présent. Et il ne résulte pas d'un phénomène nouveau. On a l'impression, en tout cas, que chaque gouvernement a sa propre gestion de l'islam, alors que depuis 40 ans, 30-40 ans, c'est une dynamique d'institutionnalisation par le haut, en tout cas, du fait musulman. Et l'islam, enfin, la présence de l'islam en France est finalement la résultante d'un long processus d'installation qui fut d'abord sporadique et transitoire pour ensuite s'inscrire dans la durée. Et bien entendu, une série de dispositions stratégiques, politiques, législatives et sociales a contribué à faire émerger l'islam en tant que seconde référence religieuse, en tout cas dans l'Hexagone, mais aussi dans de nombreux pays européens. Donc, il ne faut pas occulter justement l'individualisation et la subjectivation des croyances et des pratiques. C'est en termes général les éléments clés de notre modernité religieuse. Et bien entendu, les sociétés contemporaines sont traversées par l'individualisme, mais également par une quête d'une vérité religieuse, une recherche de sens qui ne s'appréhende plus seulement dans le collectif, mais elle repose sur une appropriation parfois dénuée de contraintes. Donc, pour l'islam comme pour les autres cultes, on voit se matérialiser une pluralité de trajectoires et de comportements religieux. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter cette essentialisation. Voilà. Et donc, ce n'est pas un objet monolithique et dépourvu de spécificité. Donc, on peut se demander, par contre, dans quelle mesure les musulmans, qu'ils soient orthopraxes, c'est-à-dire avec une pratique rigoureuse de la religion, qualifiés de libéraux, bon, j'aime pas trop ces termes, mais on va les utiliser par commodité de langage, ou simplement des musulmans qualifiés de sociologiques, entendent définir leur appartenance à la communauté nationale. Mais encore une fois, il faut préciser, et les mots ont été évoqués tout à l'heure, que l'insertion
de l'islam au sein des différents espaces occidentaux ne peut être envisagé finalement de la même manière, puisqu'il dépend d'éléments essentiels à prendre en considération, tels que l'objet multiculturalisme, l'objet monoculturalisme, ou tout simplement le choix d'opter pour l'interculturalité. Et donc, par exemple, le système anglo-saxon du multiculturalisme et finalement la reconnaissance institutionnelle de multiples identités culturelles, ethniques, sociales au sein d'une même société. Donc, en France, nous sommes dans un modèle complètement différent qui est le monoculturalisme. Ce modèle, justement, récuse le pluralisme culturel en termes de groupes demandant une reconnaissance particulière, puisque en France, on ne reconnaît que la prépotence de la communauté nationale. Finalement, il y a une récusation de ce système. Et pourtant, il y a un troisième biais qui est l'interculturalité, qui implique la prise en compte de la disparité des codes culturels, de la conscience des individus, des mécanismes psychologiques suscités par l'altérité. Donc, je reviens plus précisément, et on a toujours tendance à observer, même dans nos enquêtes sociologiques, parce que, voilà, quand on est scientifique, on fait aussi du terrain, que, par exemple, en tout cas dans le contexte européen, mais plus précisément français, l'individu, par exemple, d'origine maghrébine ou africaine, pour la plupart, c'est la résultante de notre histoire coloniale, est d'abord caractérisée par son adhésion supposée à la religion musulmane. Il n'est pas présenté en tant que seul citoyen français. L'accolade musulman d'origine X et de nationalité française présuppose finalement, et j'espère qu'on pourra me contredire sur ce sujet, qu'il existerait différents collèges de citoyens. Et donc, il faut s'inscrire en faux contre ces utilisations hasardeuses et ces essentialisations. L'émergence, par exemple, d'un islam de France ne pourra se faire, et ça je rejoins Alain Grech et Erel Benchir, qu'avec une insertion sociale et économique beaucoup plus accrue, en comprenant que puissent émerger des demandes de pratique, en tout cas de l'islam, dans des conditions tout à fait correctes, donc des lieux de culte salubres, les multiplications d'aumôneries ou de carrés confessionnels, bon, des droits qui ne sont que la matérialisation souhaitée pour pouvoir vivre correctement son islam. Et d'ailleurs, j'aimerais justement répéter que, comme mes collègues, je m'inscris un peu en faux contre le terme d'intégration. Et je pense que le plus éloquent exemple se trouve dans un passage écrit par l'historienne Jocelyne Dachlia, que vous me permettrez de citer très rapidement. Les grands débats que connaissent actuellement la France et l'Europe sur la question de l'intégration des musulmans font plus que jamais apparaître à quel point ce terme lui-même est un piège. Envisager l'intégration d'un groupe, c'est déjà l'exclure. C'est déjà le situer aux marges, à l'extérieur de la construction nationale, comme si les hommes et les femmes concernés n'étaient pas déjà là. La notion même d'intégration, par conséquent, présuppose un corps déjà constitué et qui devrait en ingérer un autre ou digérer une collection d'individus assimilés un à un. Et donc, bien entendu, fin de la citation, ce terme est un piège dans lequel on a tendance trop souvent à tomber, puisque il s'agit de quelque chose, d'une notion complexe et ambiguë, et qui a vocation, à mon sens en tout cas, à définir l'incorporation des individus aux exigences d'une société globale, et non de se focaliser sur le supposé « eux » contre le supposé nous. Et donc, le degré d'insertion, je parlerai plutôt d'insertion davantage que d'intégration des populations musulmanes en France et en Europe,
est trop souvent questionnée et je pense qu'il faudrait changer la focale de la problématique. Tout à l'heure, ça a été rappelé, par exemple, la concentration dans des zones urbaines ou périurbaines dites sensibles. Il s'agit aussi de politiques publiques qui ont participé à ce phénomène, qui laissent à penser que peut-être l'islam serait un épouvantail. Mais en réalité, c'est des revendications économiques et sociales dont il s'agit. Et donc, si je peux comparer entre les premières générations de musulmans, et je ne parlerai pas d'immigrés, parce que la plupart ayant vécu, ou en tout cas qui se sont installés sur le territoire métropolitain en France, provenaient d'Algérie, et les Algériens étaient des sujets français, il faut le rappeler. C'est pour ça que, même pour les Algériens, je ne parle pas d'immigration. Ils rêvaient d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Ils ont partiellement réalisé leurs souhaits, dans la mesure où quand même, on va voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, dans la mesure où quand même il y a eu une évolution notable. Bien entendu, il existe encore quelques ségrégations qui sont encore perceptibles, c'est-à-dire ségrégation spatiale, difficulté d'accès à l'emploi et à une bonne éducation, mais en réalité, on voit quand même un trend évolutif concernant l'insertion, en tout cas sociale, économique des musulmans en France. Par comparaison, bien sûr, hein, avec leurs aïeux, les musulmans, certains musulmans en tout cas, même si en France on ne peut pas les définir en réalité parce que c'est inconstitutionnel. On ne peut pas comptabiliser avec certitude le nombre de musulmans qu'il y aurait. C'est pour ça qu'on évalue des tendances. Certains occupent des postes à responsabilité, sont hauts fonctionnaires, sont ministres, sont cadres supérieurs. Ils sont présents dans différentes strates de la société et puis font l'objet aussi d'une mobilité sociale. Je vais être rapide pour laisser la parole à mes collègues. En réalité, il faudrait battre en brèche finalement l'utilisation de certaines notions hasardeuses mais malheureusement, depuis 2015 et même avant, au lendemain des attentats meurtriers revendiqués par Daesh et endeuillés l'Europe, la question finalement de l'organisation et de la place de l'islam reprend d'une manière assez inquiétante. Et on vient, l'actualité récente, et je pense que c'est dû à cela, vient questionner l'impact de la religion musulmane et de ses croyants sur un équilibre de la République française, mais un équilibre qui était déjà précaire depuis de nombreuses années, laquelle, en tout cas bien que laïque, parce qu'on l'a eu au niveau de la Constitution européenne, par exemple, entend réaffirmer par la voix d'un nombre considérable de ses élus ses racines judéo-chrétiennes, alors que l'État, pour conclure, doit connaître toutes les confessions, mais n'en reconnaître aucune. En réalité, c'est un arbitre neutre. Mais en dépit des évolutions… Cher docteur, merci de conclure, s'il vous plaît. Pour conclure, c'était ma dernière phrase. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Je vous remercie infiniment, cher docteur Dora Mahamri. Je cède la parole au docteur Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, l'IPSE. Vous êtes enseignant, bien sûr, vous êtes secrétaire national en charge des questions internationales, entre autres. À vous la parole. Oui, alors je suis secrétaire national chargé des questions internationales, d'un parti politique en particulier. Absolument. Bon, je le cite puisque vous l'avez mentionné, mais je ne suis pas là évidemment pour représenter ce parti politique étant le parti des centristes. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors évidemment, j'arrive quasiment en bout de course, donc beaucoup de choses ont été dites et je remercie les précédents intervenants pour avoir un peu délayé, dilué un certain nombre de choses que j'entendais dire, que j'évoquerai donc plus rapidement avec… deux points liminaires et trois points d'intervention. Le premier fait liminaire, je crois qu'on est dans une situation effectivement où l'on veut accoler des épithètes à un certain nombre de données que l'on pensait structurantes de notre société. Une laïcité addictive, une citoyenneté régressive ou progressive, ça a été évoqué par Alain Bercher. Comment se fait-il que 60 ans après les indépendances des pays dont sont issus un certain nombre de citoyens,
on en vienne à évoquer des citoyens de cinquième génération. Évidemment, cela interroge sur l'efficacité ou la réalité de cette intégration. Évidemment, je passerai sous silence, comme ça a été évoqué, le toilettage savant de la loi 1905 qui, si on en respecte l'esprit, suffit à elle-même pour garantir une égalité de traitement, de droits et de devoirs des citoyens. Deuxième élément complémentaire à cela, de quoi parle-t-on quand on parle d'intégration ? Parle-t-on d'une intégration du fait minoritaire, puisqu'on a toujours un peu tendance à écouter ceux qui crient plus fort, ceux qui sont présents dans les plateaux de télévision, bref, un fait ultra minoritaire, alors que l'immense majorité de la communauté, je mets beaucoup de guillemets, des 4 à 6 millions de musulmans, 9 à 10% de la population française, bien difficile à quantifier, comme vous le savez, puisque la Constitution interdit les statistiques ethniques. Bref, comment peut-on faire pour enfin briser le plafond de verre qui semble absolument absurde, où on laisse plus de parole à une ultra-minorité et que la majorité, évidemment, ne peut être prise en compte. Voilà mon premier fait liminaire. Mon deuxième fait propos liminaire, c'est évidemment de dire que la question du rapport à la religion musulmane et donc la religion à l'islam et aux musulmans, finalement, c'est inscrit par facilité intellectuelle d'une sorte de mimétisme. On a eu un certain nombre de lois, notamment puisque vous avez voté en Suisse le 7 mars dernier, je crois, sur l'interdiction du voile intégral, qui répond d'une certaine façon à notre propre loi sur les signes ostentatoires d'octobre 2010. Vous allez voter le 13 juin prochain, je crois encore, une loi antiterroriste qui répond, je crois, aussi en écho avec la future loi que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelée de ses voeux il y a quelques jours. Je reviendrai sur ce propos. On doit en être à la quatrième ou cinquième loi qui tourne, si j'ose dire, autour du pot. Alors, je voudrais prendre un peu de recul, ça a été rappelé, pour quand même rappeler un certain nombre d'évidences, d'enfoncer peut-être certaines portes ouvertes. Je crois qu'Alain Grèche a rappelé le fait que, effectivement, la loi sur le séparatisme islamiste a été rebaptisée, un peu pompeusement, en une loi sur la sécurité globale. Il n'en demeure pas moins que, encore une fois, la question permet et confirme le fait que l'État français, les institutions françaises ont un peu tendance à tâtonner sur cette question du rapport à la religion musulmane. Il en va aussi, je crois, de même avec une architecture organisationnelle du culte musulman qui a été au mieux tâtonnante et au pire fragile et certes incomplète. D'ailleurs, il en témoigne l'adoption unanime avec une majorité finalement d'exception de la Charte des principes pour l'islam de France ou la création du Conseil national des imams. C'est un petit peu oublié que cette question, comme ma collègue précédente l'a dit, est une question qui est bien évidemment consubstantielle de la manière dont les institutions, je crois qu'elle a utilisé le mot d'un traitement par le haut, entendent mettre en place en ce qui concerne l'organisation ou, mais ça fait débat, est-ce que c'est à l'État français finalement de le faire ? Encore, en tout cas, néanmoins, l'histoire récente nous indique que le Conseil de réflexion sur l'islam de France est une création qui remonte à bien longtemps, puisqu'il s'est agi de Pierre Jox en 1990, que la première charte du culte musulman remonte à décembre 1994. Nous sommes, je vous le rappelle, près de 13 ans avant la création du Conseil français du culte musulman. Si l'on plonge un petit peu plus dans l'histoire, je ne veux pas refaire l'exégèse de notre relation entre la France et le monde arabo-musulman, comme on a coutume de l'appeler, il faut quand même rappeler, parce que ce n'est pas suffisamment mis en exergue médiatiquement, que la première chaire de langue arabe remonte, au Collège de France, remonte au roi Henri III en 1587. Et bien évidemment, puisque nous avons célébré avec moult interrogations le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte le 5 mai dernier, qu'il fut lui aussi un peu le précurseur d'une forme de institutionnalisation du rapport à la religion musulmane à l'occasion de la création du divan lors de l'expédition d'Égypte en 1798-1881. Je passe au silence évidemment également, mais c'est important de l'avoir en écho, le concordat et la création du consistoire, concordat en 1801 et la création du concordat en 1808. Ces propos brièvement exposés m'amènent à trois points que je vais très brièvement exposer devant vous. Premièrement, en essayant de mettre la question du rapport entre islam
et relations internationales, ou Islam de France et relations internationales, à l'envers. Il ne vous aura pas échappé que les dernières, dernières heures ou les derniers jours, on a beaucoup évoqué le fait qu'il faille, ce n'est pas moi qui le dis, c'est quasiment une exégèse du propos du ministre de l'Intérieur, de l'actuel ministre de l'Intérieur, éviter une importation des conflits liés à la religion, évidemment, l'interdiction de la manifestation en faveur du cessez-le-feu et en faveur de la population palestinienne a été le prétexte de cette évocation. Je voudrais prendre la question à l'inverse, en disant que, au lieu de craindre une importation de la conflictualité extérieure, pourquoi ne pas se souvenir ou ne pas envisager une réinvention d'une politique étrangère attractive? Hatem Ben Salem mentionnait l'absence de l'Europe. Alors j'élargis mon propos à une politique étrangère française, une politique étrangère européenne. Je suis un peu sceptique sur la capacité européenne à franchir le Rubicon quand on voit les difficultés de se mettre d'accord pour une résolution européenne, tout comme du reste une résolution onusienne pour condamner les attaques, enfin la riposte israélienne sur Gaza. Néanmoins, comment réinventer ce qui a fait les grandes heures de la diplomatie française, c'est-à-dire une politique arabe de la France? Car je crois que c'est là un des principaux fondements de la difficulté que nous avons à percevoir la relation avec l'autre rive, la rive sud de la Méditerranée ou la rive orientale de la Méditerranée. Et il me vient bien évidemment à l'esprit les riches heures qu'a constitué ce fécond dialogue arabe entre la France, focalisé sur la France, entre la France et le monde arabo-musulman, sans remonter de nouveau au général de Gaulle, souvenons-nous, des ministres des Affaires étrangères qui partaient du principe que le fondement, la base de notre politique étrangère se situait sur la rive sud et la rive orientale de la Méditerranée, que ce soit Michel Jaubert, le ministre des Affaires étrangères de Pompidou, ou, rappelons-le, la France qui, à travers la déclaration de Venise du 13 juin 1980, franchissez de nouveau le Rubicon pour amener la population, ces chefs d'État et gouvernement européens à valider un soutien plus fort de l'Union européenne en faveur de la cause palestinienne. L'on pourrait continuer avec Roland Dumas pour François Mitterrand, Hervé de Charette, mais j'en viens à Jacques Chirac. Pourquoi j'évoque Jacques Chirac? Car Jacques Chirac a prononcé un discours qui, je crois, devrait être relu, le discours qu'il a prononcé à l'Université du Caire en avril 1996. Je n'oublie pas non plus aussi son acte d'énervement et sa colère, saine colère si j'ose dire, à l'occasion donc de l'empêchement des autorités israéliennes à l'encontre d'un président français qui rentrait dans un des quatre lieux dont nous avons la charge symbolique de protéger. Mais j'en viens à ce discours de Jacques Chirac qui répond d'une certaine façon en écho à celui du président américain qui l'a prononcé lui-même au Caire quelques années plus tard, en 2009. En bien évidemment se souvenant que nous sommes dans une période un peu particulière où l'euphorie des accords d'Oslo, trois ans plus tôt, en 1993, le partenariat Euromed, le processus de Barcelone, un an plus tôt, en 1995, donnait l'impression que nous étions évidemment dans une possibilité, une capacité de dialoguer sereinement et donc d'être perçu par les ressortissants, que ce soit sur la rive sud ou la rive nord de la Méditerranée, comme étant plutôt progressistes et plutôt favorables à leur cause. 18 ans plus tard, nous en sommes très loin, je ne minore pas évidemment la dislocation de la Libye, qui est un facteur malheureusement sclérosant, catastrophique, chaotique pourrait-on dire, ou même une certaine attirance pour les mouvements post-révolutionnaires après les révolutions arabes de 2010 et 2011, ou bien évidemment, je ne m'ignore pas non plus, qu'entre-temps, se sont passés les attentats de 2015. Mais j'en viens effectivement à la situation actuelle, en se posant évidemment la question, pourquoi la question du rapport à l'islam en France est un peu arc-boutée, focalisée sur une forme d'opposition frontale entre le président français et le président turc. La symbolique de Mulhouse est très forte. Le président vient en octobre dernier pour inaugurer une mosquée qui n'est pas financée par la Turquie mais par le Qatar, mais s'en prend à l'activisme politique de la Turquie et de ses associations. Nous sommes très loin, comme je disais, de la politique d'équilibre qui, évidemment, singularisait la position française. Le discours de Dominique de Villepin en février 2003 étant, encore une fois, je crois, ce qui reste de plus
prégnant et du plus légitime qui nous a positivement positionné comme un acteur d'équilibre dans le cadre de, des politiques un petit peu plus partielles, si vous voulez, et partiales, constituant le soutien indéfectible des États-Unis vis-à-vis de la question israélienne. Comment peut-on dépasser le fait que nous en soyons encore à essayer de trouver le moyen de poser une résolution onusienne, si j'ose dire, ou si j'ose m'exprimer ainsi, en catimini, alors que nous avons, nous, Français, été les premiers, en tout cas dans les années 80-90, à soutenir la solution à deux États? Comment en sommes-nous arrivés là? Évidemment, cette question interroge. Alors, j'évoquais quelques prises de perspective, je vais terminer en évoquant le fait que, par exemple, une solution serait, comme les États-Unis, de réfléchir au fait d'être membre observateur de l'Organisation de la coopération islamique. Cela nous positionnerait peut-être davantage, avec un double rappel, beaucoup des 57 États qui en sont membres sont nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. C'est évidemment le cas de quatre des pays du G5 Sahel, le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Deuxième élément, très très vite, vraiment, c'était le point que je voulais, que j'avais promis d'évoquer à notre ami Abdeljalil, la question du poids trop focalisant ou trop sclérosant des lois antiterroristes. J'en dénote depuis novembre 2004 quasiment 6 qui en gros portent des noms différents, lois sur la sécurité, loi sur le renforcement des dispositifs relatifs à la lutte contre le terrorisme, loi renforçant l'action contre les crimes organisés et le terrorisme, celle de 2016, loi sur le renforcement des moyens et des actions des services de renseignement contre le phénomène de radicalisation, juin 2015. Bref, toutes ces lois, en gros, tournent autour de la question non posée, non nommée du rapport compliqué à la question de l'islam, ce qui m'amène à mon propos quasi définitif en disant que le narratif, comme diraient les anglo-saxons, du dialogue interreligieux, du dialogue interculturel, du multiculturalisme, qui jusqu'à présent, en tout cas durant les dernières années du siècle dernier, ont fécondé les débats intellectuels, sont très loin derrière nous. Le dernier exemple concret auquel j'avais eu le plaisir de participer parce que j'ai quelques amis, le dialogue Occident-Orient qui s'était déroulé sous l'égide du Conseil des sages musulmans à l'Hôtel de Ville en mai 2016, où André Riccardi et Ahmed El Tayed, le recteur de l'Université Al-Azhar, évidemment, portaient une autre dynamique et sortaient de ce diptyque islam-terrorisme. Je crois que nous devons se réapproprier cette temporalité. Dernier point, et je le fais en une minute, Monsieur le Président. La conjoncture liée à la crise de la COVID-19, avec la mise en place d'une séquence que je décortique moi-même en ne parlant pas de la communauté musulmane, mais des ressortissants citoyens africains demeurant en France, 10 millions, demeurant en Europe, 30 millions, bref, la diaspora, et les 170 millions d'Africains qui résident en dehors du continent africain, qui représentent 10 fois d'ailleurs le montant de l'aide publique au développement. Cette binationalité, ou cette diaspora, qui sera au cœur, je crois, de l'élection présidentielle, et que la France aurait tout intérêt à appeler dans le cadre de ce que j'appelle la colocalisation de nos entreprises stratégiques. La Covid a montré que nous sommes trop dépendants de l'extrême volatilité de nos relations avec la Chine. Peut-être serait-il temps de repenser une forme de colocalisation, une forme de co-développement et donc une forme de co-décision de part et d'autre de la Méditerranée. Mon ami Jean-Louis Guigou appelle ça l'âme Afrique-Méditerranée-Europe. Appelons ça un partenariat euro-africain que la démographie déclinante de l'Europe et ascendante, beaucoup plus rapidement bien sûr, du continent africain, nous incite à engager. Et puis, dernier point, le tempo. Le tempo est idéal. Les trois prochaines présidences de l'Union européenne sont toutes méditerranéennes, portugaise, slovène et enfin présidence française de l'Union européenne. À l'occasion du deuxième semestre 2022, je salue mon ami Hatem Ben Salem en pensant que la francophonie a aussi son berceau sur la rive sud de la Méditerranée et je me réjouis que la conférence de Djerba en novembre ou décembre prochain le prouve également. Voilà des actions symboliques, mais je crois significatives de la manière de penser la relation internationale comme un élément de meilleure intégration
de populations qui n'attendent qu'une seule chose, que la France retrouve sa neutralité. Merci infiniment, docteur. Merci infiniment pour vos éclairages. Je cède la parole au docteur Malika Hamidi. Mais juste avant de céder la parole à docteur Malika Hamidi, je salue l'arrivée de la présence du professeur Farhad Afshar, le président de la coordination des organisations suisses, islamiques suisses. Je salue aussi, et il aura la parole juste après, Dr Malika Hamidi, notre très cher Dominique Natanson. Bien sûr, il y aura juste après Monsieur Alexander Milin qui prendra la parole. Et puis enfin, avant de remettre la grande parole de clôture à Dr Farhad Abshara, à Dr Siham Sherif. Donc, merci de veiller à respecter l'ordre et pardon encore une fois pour ce chamboulement de l'ordre du jour. À vous la parole, cher docteur Malika Hamidi, sociologue, membre associé du FADIS OHESS, Senior Research Consultant à l'École de Dialogue, auteur d'un ouvrage retentissant sur le féminisme musulman. Et pourquoi pas, si je reprends le titre de votre ouvrage, à vous la parole. Bienvenue. Bonsoir, merci à toutes et à tous. Vous m'entendez ? Oui. Oui, hein, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. D'abord, je remercie très chaleureusement, très fraternellement Boumediene Ben Yahia de cette invitation. Je remercie Monsieur Dari aussi de cette invitation avec un panel absolument éloquent, pertinent. Donc, je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir pour débattre effectivement de ces questions, de l'intégration des musulmans, les défis et les enjeux. Donc, comme beaucoup d'entre vous ce soir, je pense que nous considérons ici que ce concept est obsolète, qu'il est dépassé, j'ose le mot. Et donc, moi, c'est à partir de mes recherches, de ma recherche doctorale qui effectivement a donné lieu à cet ouvrage. Une partie de la thèse a été publiée dans le cadre de cet ouvrage qui a été publié en 2017 et qui a été réédité en mars 2020 en format poche, format sac à main. Et d'ailleurs, un ouvrage qui a été préfacé par Alain Grèche que je remercie encore, et un titre qui n'est pas de moi, mais qui est de Christine Delphi, grande figure historique du féminisme français, qui effectivement, lorsque en France, nous avons été confrontés au débat relatif à la question de l'interdiction du foulard, avait prononcé cette phrase désormais mythique et légendaire, « Un lien est désormais inextricable entre féminisme et islam, un féminisme musulman et pourquoi pas ?» Et donc, j'ai souhaité rendre hommage à Christine Delphi, en donnant le nom, en intitulant mon ouvrage en féminisme musulman et pourquoi pas. Et je rends hommage aussi à Christine Delphi pour tout le travail, tout son accompagnement, toute cette force et ce courage et cette loyauté qu'elle a eue dans le combat justement pour lutter contre cette loi, la loi de 2004. Alors, donc je vais partager avec vous ce regard de chercheuse, mais aussi de femme militante engagée depuis plus de 20 ans sur ces questions. Et je vais partager avec vous une réalité féminine et féministe de femmes qui aujourd'hui n'ont plus rien à prouver, et une génération même, je dirais, qui rirait de ce concept d'intégration si elle nous entendait. Donc, quand on parle d'islam au féminin, eh bien, évidemment, un des défis majeurs, c'est le défi de la visibilité de la religiosité, de la spiritualité et en particulier de ce symbole religieux tant controversé, à savoir le foulard dit islamique dans l'espace public. Mais surtout de l'appréhender, d'appréhender en fait ce rapport religieux comme un espace, comme un moyen, comme un outil de libération, de liberté et même une prise de pouvoir en contexte occidental et notamment laïque. Et je parle de prise de pouvoir puisque c'est Niloufer Guélet qui parlait de prise de pouvoir. Certaines femmes, lorsqu'elles portaient le foulard, elles parlaient de prise de pouvoir. Et moi-même, lorsque j'ai fait ma thèse doctorale sur le féminisme musulman, les féminismes musulmans en contexte francophone, eh bien, effectivement, certaines parlaient de leur foulard comme une prise de pouvoir, comme un foulard politique. Encore une fois, je le rappelle souvent, politique dans le sens noble du terme, mais politique comme un moyen d'affirmation de Françaises, Belges, Suisses, de confession musulmane qui souhaitent
faire sa place aujourd'hui dans l'espace public, dans le monde professionnel, universitaire, etc., etc. Et donc, ces dernières années, et surtout ces derniers mois, un peu partout en Europe francophone, en particulier en Europe francophone d'ailleurs, on assiste à des initiatives liberticides, j'ose le mot, je reprends le terme d'Amnesty International, d'initiatives islamophobes, sexistes aussi, qui doivent être condamnées, dénoncées et combattues même par toutes les femmes, toutes ces femmes qui sont avides aujourd'hui de liberté, toutes ces femmes qui sont en cohérence avec les principes élémentaires du combat féministe, puisque aujourd'hui des femmes sont criminalisées, et je fais référence notamment au débat nauséabond qui aujourd'hui sont en train de gangréner l'Europe. Ces débats en lien avec la présence musulmane qui exacerbe aujourd'hui une certaine classe politique intellectuelle en France, en Belgique, en Suisse, un petit peu partout en Europe. Et donc, je prends l'exemple de la Suisse, vous m'excuserez, donc il y a quelques mois où a été votée cette loi pour interdire le voile intégral. D'ailleurs, Amnesty International l'avait dénoncé, des organisations féministes, des organisations féministes musulmanes ou pas d'ailleurs, se sont mobilisées pour dénoncer cette loi liberticide. En France, avec cette loi contre le séparatisme qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 17 février 2021, si mes souvenirs sont bons, qui est certainement encore toujours à l'étude et qui est de nouveau encore un signal fort qui est lancé aux communautés musulmanes dans la restriction de leur liberté, de la liberté des femmes musulmanes qui ont pourtant des libertés qui sont pourtant condamnées par l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, on a les musulmanes d'Europe aujourd'hui qui sont prises en otage dans ce tsunami qui bafoue leurs droits les plus élémentaires. Et ce qu'on remarque, c'est que plus ces femmes sont visibles, plus le rapport de force s'intensifie. Et donc, ces dernières années, on a un intérêt croissant qui ne cesse de se manifester autour d'un thème incontestablement et éminemment politique, c'est la politisation du corps des femmes musulmanes, à travers notamment la visibilité du foulard dit islamique dans l'espace public, qui est souvent considéré comme une menace et un affront pour les valeurs occidentales. Et donc, depuis plus de 20 ans, dans les discussions non abouties, toujours recommencées sur la politisation du voile, donc ce terme que j'emprunte à Françoise Lorcery, ces discussions émanent d'une longue histoire dans la politique européenne, et le corps des femmes relève d'un champ de bataille en temps de crise. Et donc, c'est dans ce contexte en fait, politique post-11 septembre, un contexte politique délétère et exacerbé à l'endroit de l'islam, que l'on voit émerger un nouveau profil de femmes qui se définissent à la fois comme féministes et musulmanes, dont la rhétorique, la narrative, comme on disait tout à l'heure, paraît déroutante, inquiétante, et qui pourtant est inclusive et va aussi contester la normativité d'une pensée féministe dominante en Occident. Et à mon sens, et d'après les enquêtes de terrain que j'ai pu faire, France, Belgique, Canada, c'est bien cette identité de femme hybride, subversive, qui inspire aujourd'hui toute une génération de femmes musulmanes aujourd'hui. Ce sont des femmes qui ont choisi d'être autonomes, libres face à un système inégalitaire qui les minore. Elles dénoncent aujourd'hui, elles défient dans une démarche critique les discriminations qu'elles vivent au sein même de leur propre communauté de foi. Pour ceux qui sont dans une démarche, je dirais, littérale de leurs droits, mais aussi elles dénoncent les inégalités qu'elles vivent et qu'elles subissent dans l'espace public. Mais elles le font toujours de manière déterminée, mais toujours aussi dans la persistance du dialogue. Et donc, on assiste aujourd'hui à la construction de cette identité qui se construit, donc, comme je le disais, à la croisée de la religiosité, du féminisme, qui peut sembler, comme je le disais, dérangeante, inquiétante, mais qui semble inspirer cette génération, cette troisième, quatrième génération de femmes qui ont choisi d'être autonomes, libres et libérées. Et donc, c'est à partir de leur foi, à partir de leur histoire, de leur mémoire, comme je le répète souvent, qu'elles vont construire un contre-discours contre toutes les formes de domination qu'elles proviennent des hommes en matière de réinterprétation des textes. Donc, ce travail est fait pour lutter contre les interprétations sexistes, misogynes et machistes que certains hommes pourraient avoir par rapport aux textes, au corpus religieux, mais aussi un contre-discours contre les formes de domination qui émanent des institutions. Aujourd'hui, nous sommes dans un racisme structurel, que ce soit en France, en Belgique, certainement en Suisse, que je connais moins bien, mais aussi contre les discriminations des femmes elles-mêmes aussi. Hein. Je dis souvent, et j'ai pu voir un petit peu dans le monde musulman, que les plus grandes résistantes au concept féminisme musulman, ce sont les femmes elles-mêmes.
Donc, ces femmes dénoncent aujourd'hui ce racisme, ce sexisme, l'islamophobie, le patriarcat. Et pourtant, c'est un profil qui, à mon sens, est prometteur. Mais pourquoi ? Parce qu'elles sont en train aujourd'hui de contribuer à la justice sociale, à une libération collective, en s'appropriant une légitimité sociale, une légitimité politique, une légitimité sociale et politique, même médiatique, en s'appropriant justement cet espace public, politique, médiatique. On voit de plus en plus de femmes aujourd'hui qui abordent. Alors, encore une fois, ce n'est pas la musulmane, ce n'est pas le voile qui fait la musulmane, mais en tout cas, des femmes qui se définissent comme étant deux fois musulmanes aujourd'hui, elles sont de plus en plus visibles un petit peu partout. Elles contribuent à l'histoire de la résistance des femmes en Europe. Elles se considèrent comme européennes, comme musulmanes. Elles révolutionnent par leur visibilité la perception collective. La perception collective d'une image stéréotypée qu'on a des femmes musulmanes, et surtout elle questionne le mouvement féministe en promouvant justement une révolution de la solidarité. Quand beaucoup voudraient diviser les femmes entre elles, et bien aujourd'hui cette génération de femmes font la promotion de cette solidarité féministe, de cette solidarité intersectionnelle, etc. Donc aujourd'hui on est même au-delà d'un féminisme musulman. Donc j'écrivais un article pour une revue, et j'expliquais que nous sommes dans un féminisme musulman 2.0. Nous sommes dans un post-féminisme musulman, car ces 5 dernières années, on assiste véritablement à cette identité post-féministe musulmane qui s'est traduite notamment par une maturation politique et intellectuelle des femmes qui maîtrisent de plus en plus les contextes sociopolitiques, etc., qui s'affirment sur le plan des idées. Elles maîtrisent les concepts, elles maîtrisent les contextes, elles font des études, elles sont visibles dans les milieux universitaires. Et donc, ces femmes-là, aujourd'hui, ouvrent des nouvelles fenêtres d'espoir dans cette quête de liberté, au-delà même de la nécessité de mobiliser les référentiels religieux. Donc, elles disent qu'il n'est plus nécessaire de se définir comme féministe musulmane. Nous sommes féministes, point, un point, c'est tout. Un peu comme le manifeste de la laïcité, un point c'est tout, hein, que vous avez certainement dû voir passer. Donc elles sont féministes et musulmanes, un point c'est tout. Elles ne sont absolument plus prisonnières de la prééminence de cette identité religieuse, parce que pour certaines, cette identité religieuse peut polariser. Et donc elles s'engagent dans ce féminisme musulman 2.0 qui, comme je le disais, s'intéresse à cette solidarité avant tout. Donc elles militent en faveur d'un mouvement féministe qui est plus inclusif. Elles reconnaissent aussi la diversité constitutive des femmes au-delà des frontières ethniques, religieuses, sociales, sexuelles et raciales. Et ça fait peur, comme ça peut rassurer. Donc elles sont considérées, j'ai envie de dire, comme des subalternes politiques, parce que d'une certaine manière, elles vont faire sauter les frontières à l'intérieur desquelles on voudrait les assigner. Donc, que ce soit dans leur propre communauté de foi, comme dans la société civile. Et donc, c'est un féminisme qui est de plus en plus urgent. Donc, ces femmes musulmanes s'inscrivent dans ce féminisme qui est de plus en plus urgent, puisqu'on assiste aujourd'hui, en Europe francophone notamment, à un renouvellement des systèmes d'oppression des femmes sur le plan économique et politique. On a d'une part les femmes musulmanes qui sont exclues du marché de l'emploi, et donc elles sont fragilisées sur le plan économique parce qu'elles portent, pour celles qui portent un signe religieux. Et d'ailleurs, on le voit, le monde de l'entrepreneuriat au féminin pullulent aujourd'hui de femmes qui portent un foulard parce qu'elles sont marginalisées de l'espace professionnel, de l'espace économique, et donc elles sont en obligation de créer leur propre structure. Et d'autre part, l'instrumentalisation politique aujourd'hui de la question des femmes à travers les affaires de foulard en France comme en Belgique va justifier des lois stigmatisantes et islamophobes, comme je le disais, qui continuent de marginaliser toute cette génération de femmes qui se sentent pourtant pleinement européennes. Et donc, il convient de rappeler… Merci de conclure, cher docteur. Oui, je conclue justement que ces femmes sont engagées dans un combat et qui est surtout l'élaboration de stratégies de résistance solidaire afin notamment de contrer les rapports néocoloniaux entre femmes. Et c'est dans ce contexte qu'un intérêt aujourd'hui grandissant naît pour les études postcoloniales anglophones pour leur rapport, dans leur rapport pour un féminisme antiraciste, anticolonial, etc. Mais des études, une perspective qui est tellement décriée en France, malheureusement, pourtant, qui sont des perspectives prometteuses, porteuses d'espoir et incontournables aujourd'hui pour faire émerger ce mouvement féministe, pas musulman, mais un mouvement féministe décolonisé en rupture avec l'universalisme occidental. En conclusion, mes dernières phrases, c'est que c'est avec l'apparition de ces voix de femmes musulmanes, féministes ou pas, mais en tout cas des femmes engagées dans ce combat pour une libération, à travers la publication de leurs recherches, il y en a de plus en plus qui sont universitaires, alliés à un militantisme, un engagement sur le terrain, avec des alliances entre femmes d'horizons divers. Je crois que cette communauté de femmes va aujourd'hui se retrouve d'abord au cœur de transformations
sociale, politique et religieuse à travers le monde, et je pense va changer le destin, non pas seulement des femmes musulmanes, mais de toutes les femmes. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, cher docteur Hamidi. Merci infiniment pour vos éclairages. Et puis, retenons cette phrase, le cœur du changement par le biais de tous vos éclairages. Merci infiniment. Alors, je cède la parole à notre cher ami, Monsieur Dominique Nathanson, qui est un militant de la paix, un fervent militant de la paix, un acteur et un artisan de la paix, un militant antiraciste quelque part, auteur aussi qui a dirigé quelques travaux et collaboré à quelques travaux, Une parole juive contre le racisme, hein, cette notion du racisme chez lui est très importante et qui est aussi à la tête de cette union de la jeunesse juive et française et qui porte cet étendard de ce dessein, hein, dessein à la fois national, à la fois international de la paix, pacificateur véritablement. C'est à vous que je cède la parole, notre cher Dominique Nathanson. Est-ce qu'il y a moyen de partager mon écran? Oui, alors attendez deux petites secondes. Oui, vous pouvez partager normalement. C'est bon, j'ai activé. Allez-y. Voilà, parfait. Là, on le voit? Oui, absolument. Bien. J'espérais en arrivant comme. En disant je suis juif, je suis français, personne n'est parfait, j'espérais pouvoir être décalé par rapport à la notion d'intégration, mais je m'aperçois que beaucoup de mes prédécesseurs ont mis en cause cette notion d'intégration, et je voudrais intervenir simplement sur un point. Je ne vais peut-être pas vous imposer tout mon diaporama, mais imposer sur la notion de désintégration que provoque l'injonction, et une injonction paradoxale, à s'intégrer. D'abord, évidemment, dire que le droit à l'intégration, on pourrait présenter l'intégration comme un droit. Toute personne doit pouvoir s'adapter dans un environnement nouveau et ajouter cette intégration à son identité. Mais il est évident que c'est pas, et ça a déjà été dit, c'est comme ça que l'intégration s'est faite. Édouard Glissant parlait de changer par échange avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer, mais ça n'est pas cela auquel nous invitent les pouvoirs politiques qui donnent de l'intégration une autre version, surtout dans le modèle français d'intégration assimilationniste. Et donc là, on a un groupe essentialisé, et l'idée même d'intégration devient un instrument de la domination politique. Franz Fanon a fait l'expérience douloureuse de cette intégration. Il est très jeune, il s'engage dans l'armée française libre, il participe au combat de la libération, et pour lui, c'est une immense déception. Dans une lettre à ses parents à l'automne 44, il dit « Si je meurs aujourd'hui, ne dites pas que je suis mort pour la France, parce qu'il reste un nègre. » Et d'ailleurs, cette dislocation de l'être à qui on enjoint de s'intégrer, il va la percevoir aussi dans ses travaux psychiatriques à l'hôpital de Blida, quand il va soigner des indigènes qui sont aussi dans cette contradiction. Et il voit là aussi, ça a déjà été dit, mais il faut le rappeler, qu'il y a une origine coloniale de l'intégration. Les colons, disait-il, on martelait aux Noirs, vous manquez de raison, de beauté, d'intelligence, vous n'avez pas eu de beaux-arts. Mais un jour, vous pourrez y accéder si vous suivez le chemin de l'intégration et de l'assimilation. Et donc, ceux qui doivent s'intégrer, ils appartiennent à une catégorie culturelle globalisante et qui est perçue comme une menace. Et l'intégration, alors là, on peut reprendre le jeu de mots avec désintégration,
l'intégration, elle est pensée comme pour éviter la désintégration de la société française. Il faut, l'intégration, elle doit se faire dans un récit colonial, éternellement la même mémoire et culture, qui évidemment ne fait pas sa place à une pensée décoloniale. Bien. Et alors, puisque je suis juif, je vais pouvoir rappeler un petit peu quand même comment cette injonction paradoxale « intégrez-vous », elle est menée dans les années 30. On a des juifs qui sont considérés comme inassimilables et à qui on demande de s'intégrer. Et que leur reproche-t-on ? D'être des étrangers, le juif errant, d'être des orientaux, des sémites. Rappelez-vous que le terme antisémitisme a été inventé par Wilhelm Marr, qui est un raciste allemand de la fin du XIXe siècle, qui voulait mettre dans le même paquet les musulmans arabes et les juifs pour indiquer qu'ils n'étaient pas intégrables dans la société européenne. Et puis d'être aussi des Français de papier. On parlait tout à l'heure de cinquième génération. Là, vous avez une carte d'identité d'un juif polonais des années 30. D'avoir des traditions alimentaires, des mœurs non nationales. Le restaurant Goldenberg, dans les années 30, c'est surtout un traiteur cachère. Et finalement, la cacheroute, c'est incompatible. Ne pas manger de porc, c'est un obstacle majeur à l'intégration des juifs. Et d'être une religion communautariste, secrète, incontrôlable. Et évidemment, vous êtes en train, dans votre tête, de faire un certain nombre de parallèles avec les reproches faits aux musulmans qui ne veulent pas s'intégrer. Ils sont aussi trop nombreux. Xavier Vallat dit qu'ils sont tolérables qu'à dose homéopathique. Tout cela conduit à reproche de trahison. Ce sont des traîtres politiques, ils ne sont pas affiliés à Daesh, ils sont affiliés au communisme soviétique, et ils vont détruire la civilisation chrétienne, comme le montre cette affiche polonaise, je crois. Autre reproche, ce sont des séducteurs libidineux, des violeurs, qui s'en prennent aux femmes blanches. Les nazis inventent la Rassenschande, la honte raciale, et là encore, on pourrait faire quelques parallèles avec les migrants syriens musulmans en Allemagne, par exemple, et le reproche qui leur a été fait. Ce fonctionnement de l'antisémitisme des années 30, c'est à la fois une exigence d'intégration et la constatation du caractère inassimilable des juifs qui sont devenus un corps étranger dont il faut se débarrasser. Alors on peut naturellement faire le parallèle avec l'islamophobie. Il y a un effet miroir entre antisémitisme et islamophobie. Les musulmans sont des étrangers inassimilables, orientaux, trop nombreux, des Français de papier. La tradition alimentaire, rappelez-vous la sortie de Darmanin sur le fait que c'était contraire aux valeurs de la République d'avoir des rayons halal dans les supermarchés, et une religion finalement inassimilable, un communautarisme, des traîtres politiques. On a des parallèles. Alors, quelle perspective on a sur le modèle français d'intégration ? Là, je vais aller plus vite. Quelle perte d'identité on demande aux gens qui veulent s'intégrer ? Il y a une tension entre l'assimilation forcée à la française et le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, mais on peut penser que ces deux modèles se rejoignent aujourd'hui sur un mode xénophobe par rapport aux migrants. Frontex, les centres de rétention administrative, on est là aussi sur un rapprochement en fait de cette divergence qu'on fait habituellement entre le système anglais de colonisation et le système français de colonisation, qui finalement se rejoignent, à mon avis, aujourd'hui. Alors, en même temps, cette répression xénophobe, elle retarde l'intégration économique dont on a déjà parlé, et elle ne permet pas l'intégration aux valeurs de la République. Les sans-papiers en France qui ne peuvent pas
déposer un dossier après, avant 5 ans de présence. Pendant 5 ans, on les livre au travail au noir, à l'impossibilité d'être un acteur et un citoyen. Et donc, dans quelle mesure, si ça, c'est l'intégration aux valeurs de la République, il y a un truc totalement contradictoire. L'islamophobie d'État vécue comme un rejet global des musulmans, est-ce que c'est réellement une protection contre la radicalisation? Quelqu'un a dit aujourd'hui le contraire. Saïd Bouamama disait « On est passé en France de l'intégration compassionnelle à l'assimilation autoritaire. » Je ne sais pas si on en est là encore en Suisse, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour terminer, je reprendrai le texte de Plenel sur l'assimilation comme injonction terrifiante qui fut aussi celle de la colonisation, notamment française. N'accepter l'autre qu'à la condition qu'il ne soit plus lui-même, ne le distinguer que s'il décide de nous ressembler, ne l'admettre que s'il renonce à tout ou partie de ce qu'il est. L'impératif d'assimilation est une euphémisation de la disparition, une façon de souhaiter que les musulmans de France, à quelque degré qu'ils soient, ne le soient plus, ne le disent ni ne le revendiquent, ni ne l'expriment, ni ne l'assument. Et pour finir, car qui ne voit pas dans cette accoutumance à l'intolérance le cheminement d'un appel plus sourd à ce que, pis encore, les musulmans ne soient plus. Et effectivement, comme juif, cette montée de l'intolérance islamophobe, elle me prend aux tripes et je vois derrière cette assignation et cette injonction à l'intégration, quelque chose qui en réalité désintègre notre société. Merci. Merci infiniment, cher Dominique Latençon. Merci infiniment aussi pour cette illustration qui retrace quelque part aussi des réalités qui font partie de cette mondialisation, si vous voulez, d'une mosaïque concernant l'islam et sa représentativité en Europe, au sein de l'Europe et même ailleurs. Je donne la parole à M. Alexandre Inilin, président du Parti de Travail Genevois. On l'accueille chaleureusement. C'est à vous la parole, notre cher Alexandre. Est-ce que ça marche pour vous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bienvenue. Oui, c'est parfait, on vous entend très très bien. Bien, merci. Alors, je remercie vraiment les organisateurs de l'invitation, j'en ai été très honoré. J'étais très heureux aussi d'entendre les interventions jusque-là, c'était extrêmement intéressant, enrichissant. Bon, il y a la pluie sur le Vélux, donc ça va peut-être faire un peu de bruit de fond. Alors, je pense que le thème du colloque de ce soir était extrêmement important. Enfin, on est à la fois dans un monde qui n'a jamais été aussi connecté, avec et la mondialisation économique, les nouvelles technologies, les différentes parties du monde n'ont jamais été aussi proches l'une de l'autre, les informations n'ont jamais aussi vite circulé. Et parallèlement, on est dans une situation où malgré tout, même dans un même pays, même dans une même ville, finalement, on se connaît assez mal. Les informations circulent facilement, mais ce n'est pas toujours les informations pertinentes qui circulent. Au niveau international, on a une situation qui est préoccupante et dangereuse avec des tensions graves, des conflits, des risques de guerre majeure qu'il ne faut pas sous-estimer. En Europe et en Suisse même, on a un climat politique qui devient très tendu et assez malsain, ça a été dit. Une agressivité accrue avec des discours très dangereux. Alors l'intégration, quoi qu'on entende par ce mot, alors, bon, ça a été dit par plusieurs personnes que le terme d'intégration est contestable parce que bon, ça suppose un élément étranger qui s'intègre, qui doit être absorbé par une entité préexistante homogène dans laquelle il disparaît, ce
qui est inexact. Si je peux me permettre, le terme de naturalisation utilisé en Suisse est encore plus étrange. C'est comme si les non-Suisses étaient des entités artificielles qui devaient devenir naturelles en acquérant un passeport à croix blanche. C'est très bizarre comme catégorie. Qu'une coexistence suppose alors tout d'abord l'égalité et le respect des personnes à non-discrimination. On a un grave problème dans les pays occidentaux, pas seulement avec des idéologies d'extrême droite qui empoisonnent le débat public, qui empêchent toute coexistence. Alors en Suisse, l'UDC joue un rôle tout à fait néfaste avec ses campagnes. Disons, je me rappelle dans mon âge scolaire, Genève est une ville très cosmopolite, peut-être l'une des plus au monde. Il y avait presque autant d'origines différentes que d'élèves par classe. Et cela ne posait aucun problème. Par contre, les campagnes de l'UDC étaient représentées vraiment comme une agression pré-fasciste. C'était un climat très lourd et qui se ressentait beaucoup. Disons, en France, la situation est beaucoup plus grave, avec où c'est finalement le parti au pouvoir qui reprend une partie de la rhétorique d'extrême droite à des fins purement électoralistes. Enfin, je n'ai pas cité tout le parcours et toutes les déclarations de Darmanin, les polémiques absurdes sur les repas halal, sur l'islamo-gauchisme. Disons, c'est une dérive qui rappelle effectivement celle des années 30. Vraiment, c'est incompatible avec une société démocratique, avec une coexistence. Et la première chose à faire pour une coexistence, quelle qu'elle soit, c'est combattre ce type d'idéologie. Deuxièmement, l'intégration suppose que toutes les personnes soient respectées, puissent participer à la vie publique, puissent être entendues et se sentent égalité. Alors, une société démocratique ne peut pas tolérer de discrimination, elle ne peut pas se tolérer de citoyens de seconde zone. Cette raison que partie du travail est très divers dans sa composition et dans ses instances. C'est pour cette raison aussi qu'on se bat pour les droits politiques pour les étrangers. C'est pour contre les discriminations arbitraires pour l'intégration des personnes sans papier, contre les débats absurdes sur l'asile imposés par l'UDC, dont on fait un problème majeur alors que ça représente finalement un pourcentage bas. En tout cas, tout le monde doit pouvoir participer et se sentir entendu. Et si des personnes se sentent discriminées, des citoyens de seconde zone ne se sentent pas écoutés, ça engendre fatalement des contradictions antagoniques, ça engendre forcément, si ils sont empoisonnés, ça engendre des radicalisations. La problématique impulsée par l'UDC sur le fait que les binationaux ne sont pas forcément vraiment des nationaux, sur l'islam, représente un grave péril. Évidemment, le profilage racial, et parfois effectué par la police qui existe, n'a pas sa place dans une société démocratique. Enfin, quand on voit qu'en France, certains syndicats de police proposent que des quartiers pauvres, avec une proportion de personnes d'origine musulmane soient clôturées avec des checkpoints gérés par l'armée. Enfin, on peut comprendre dans quelle dérive on va. Deuxième chose, une intégration suppose la justice sociale. Tout le monde se sent intégré, tout le monde doit avoir des opportunités correctes. Tout le monde doit avoir des perspectives économiques raisonnables. Une société inégalitaire et injuste, on ne peut pas parler d'intégration, on ne peut pas cela crée un terreau fertile sur lequel tous les extrémistes prolifèrent. Et enfin, parler d'intégration, je pense qu'il faut une bonne connaissance de l'histoire dans sa complexité, ces contradictions, c'est peut-être le meilleur remède aux idéologies d'extrême droite et aux problématiques identitaires. Très intrigué. Il reste qu'il n'y a jamais eu de communauté nationale homogène simple. Dans l'histoire de l'Europe, toutes les sociétés européennes sont issues d'un mélange complexe de populations, de religions, de langues.
une période que je connais relativement bien parce que je travaille dessus à titre professionnel, le Moyen Âge. Le monde arabe était, le monde musulman était vu à l'époque aussi comme une menace, mais pour une raison diamétralement opposée, vu comme une menace rationaliste et scientiste pour la domination de la foi. D'ailleurs, une grande partie de l'héritage antique, l'héritage philosophique et scientifique, a été transmis au monde latin qu'il avait perdu et enrichi par les penseurs arabes, dans les traductions d'Aristote, de ses commentateurs tardo-antiques, la tradition philosophique et scientifique propre produite par le monde musulman, les grands commentateurs arabes d'Aristote comme Al-Farabi, Avicenne, Averroès, la tradition scientifique musulmane. L'Europe y doit une grande partie de sa science, de sa philosophie et même de sa théologie. Et même si on pouvait difficilement parler de tolérance ou de dialogue fictif au Moyen-Âge, c'était plutôt les rapports entre chrétienté et islam étaient plutôt conflictuels. Et même dans le... malgré tout, il y avait un dialogue, alors certes indirect, certes par l'entremise de traduction, généralement un dialogue intellectuel entre auteurs latins vivants et auteurs musulmans antérieurs de plus d'un siècle. Et malgré tout, les universitaires latins du XIIIe, XIVe siècle ont lu, compris et apprécié leurs prédécesseurs musulmans. Un exemple de ce dialogue, alors certes indirect et moins littéraire, citerait la Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin, qui est une sorte de dialogue entre les grands, entre la pensée catholique, entre les grands philosophes musulmans, principalement Avicenne et Averroès, et le grand théologien et philosophe juif Moïse Maïmonide. Et Thomas d'Aquin disait qu'entre, effectivement, entre chrétiens, on peut dialoguer sur la base des textes révélés. Entre les juifs et les chrétiens, une partie de la révélation existe. Par contre, entre chrétiens et musulmans, il n'y a que la raison humaine. Et effectivement, à ce niveau-là, au niveau de la raison humaine, il a pu apprécier et dialoguer avec des prédécesseurs musulmans. C'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir retrouver au-delà de toutes les polémiques absurdes impulsées par l'extrême droite, au-delà du discours intéressé et démagogique du conflit entre les civilisations, qui n'est absolument pas une théorie scientifique ou qui permet de comprendre le monde actuel, encore moins d'agir, mais qui est une légitimation d'un empire sur le déclin pour légitimer le maintien de sa domination. Et enfin, si l'histoire suisse, les institutions suisses actuelles sont dues en très grande partie à une volonté de résoudre des tensions, des tendances centrifuges qui minaient qui menaçaient d'éclatement la confédération naissante entre cantons, entre classes sociales, entre catholiques et protestants. Ils ont une cohabitation raisonnable, un dialogue a pu être trouvé. C'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir trouver aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où l'humanité est plus que jamais une, on fait face à des défis communs. Un dialogue rationnel, une intercompréhension, une connaissance mutuelle et le dialogue sont plus indispensables que jamais. Merci, merci infiniment, infiniment, cher Alexandre et Néline, pour votre intervention. Avant de remettre la parole, le mot de clôture au directeur et professeur et président du CAIOS, je donne la dernière parole à notre cher docteur Siham Sherif. Siham Sherif, qui est docteur en sciences sociales et études islamiques à l'Université d'Alger 2, associé au laboratoire Société et Religion à Bouzarria. La parole est à vous, cher docteur. Vous avez 10 minutes afin qu'on puisse conclure ce colloque exceptionnel autour de cette notion de l'intégration des musulmans, les défis et les stratégies. La parole est à vous. Oui, merci. Salam alaikum. Ma communication, ça sera en langue arabe.
اسمحوا لي أن محاضرتي ستكون أو كلمتي ستكون حول نقطتين أساسيتين وسأكون مختصرة جدا. النقطة الأولى هي مسألة التعدد الثقافي في المجتمعات الأوروبية أو المجتمعات الليبرال ديمقراطية. يعتبر التعدد الثقافي كجزء من التنوع بلوراليزم الذي يميز بشكل كبير هذه المجتمعات الليبرالية وهو مصدر غنى لها بما يوفر هذا التعدد من تنوع في الحياة اليومية والعادات النابعة من تقاليد تاريخية مختلفة. وقد تم تصور هذا التعدد الثقافي من حيث ممارسته التي لا تتعدى المجال الخاص والفردي. هذا التعدد الثقافي يعني تصورت المجتمعات الليبرالية أنه لن يتعدى الممارسة الفردية ولن يؤدي إلى المساس بحقوق الفردية الأخرى، وإلا فإنه سيهدد النظام الليبرالي وهو تحديدا ما يفسر وهو السبب في المقاومات العنيفة التي تبديها المجتمعات الأوروبية عموما لكل محاولة الاعتراف بالمجموعات الثقافية كمجموعات وليس كأفراد. فالمجتمعات الليبرالية الحديثة تقدم نفسها على أنها مجتمعات تعدد ثقافي وعلى أنها مجتمعات تتجاوز الحدود الضيقة للهوية باعتبار الهوية بعد أساسي للجماعات الثقافية يعني للسو كوميونيتي، وعلى أنها مجتمعات تتجاوز الحدود الضيقة للهوية كما قلنا. والواقع أن الأمر في عمومه، وهنا أؤكد أنه في عمومه لأنه فيه مميزات لكل مجتمع يعني في أوروبي ولكل دولة في نطاق القوانين والمميزات الاجتماعية داخل هذه. في الواقع هذا الأمر في عمومه غير صحيح، أي أن هذه المجتمعات الليبرالية ليست يعني تحافظ دائما على الهوية الوطنية، يعني لا زالت هذه الهوية الوطنية قائمة في كل الليبراليات الديمقراطية المعاصرة، وهو ما يفسر الصعوبات الكبيرة التي يلقاها إدماج المسلمين في مجموعة من هذه البلدان الأوروبية دون تخصيص دولة عن أخرى. ويشير أيضا إلى أن هذه المجتمعات الديمقراطية الليبرالية هي ليست محايدة ثقافيا كما قد يعتقد الكثيرون، ولذلك لأنها تملك قيمها الخاصة، ذلك لأنها تملك قيم خاصة متعلقة بالمساواة الفردية في الحقوق والكرامة، وبالتالي فالثقافات التي لا تحترم هذه القيم لا تملك نفس الحق في المساواة داخل هذه المجتمعات. إذن هذه المجتمعات الأوروبية لديها قيم وطنية بنتها، وأي خروج عن هذه القيم الثقافية الخاصة بها هو يعتبر هذه المجتمعات غير يعني غير لا تستحق مساواة كغيرها من المجموعات الأخرى، لا تملك نفس الحق في المساواة داخل هذه المجتمعات. والمجموعات الثقافية الفرعية قلنا لا تملك الحق في المساواة كأفراد، لكن ليست كأعضاء ضمن جماعات ثقافية، يعني فيه مساواة فردية لكن ليس هناك مساواة كمجموعة ثقافية ذات هوية فرعية معينة. ومعنى ذلك أن بعض مثلا مهاجرون لا يملكون أي مساواة ضمن المجتمع الديمقراطي الليبرالي إلا من خلال انتسابهم لهذا المجتمع غير عبر تشبثهم بما هو فردي دون التشبث بما هو جماعي ثقافي. إذن الهوية يمكن القول أن الهوية والإشكالات المرتبطة بها تبرز وتظهر
تظهر جلاء مع المشاكل العديدة التي تطرحها هذه الجماعات أو المجموعات الثقافية الفلاحية. فهذه الأخيرة تسائل يعني الهوية تسائل تثير الكثير من الأسئلة الكبرى التي وقفت عندها مختلف المقاربات الفلسفية المؤسسة لمفهوم الهوية من قبيل سؤال التغير والثبات. وبالتالي فإن أي تحليل للثقافات الفرعية دون الوقوف عند إشكالية الهوية هو تحليل غير مكتمل. لفهم الثقافات الفرعية لابد من فهم الهوية الإيدنتيتي بشكل ثقافي ومكمل للهوية الكلية للمجتمعات الأصلية، كما أن أي سياسة خارج عن هذا هي سياسة يعني لا تراعي هذا، هي سياسة en quelque sorte عاجزة ونابعة من عدم إدراك المشاكل المطروحة من وجود هذه الهوية الفرعية. في الأخير فقط لكي لا أطيل، أؤكد أنه في الأخير في الحقيقة أن هؤلاء المسلمون أو حتى مجموعات ثقافية فرعية أخرى هم كما تفضل زميل من قبل هم مواطنون أوروبيون لديهم جنسية أوروبية، في أغلبهم يحملون هذه الجنسية التي لكنهم أيضا يحملون حمل ثقافي جاءوا به وهوياتي لا يستطيعون التنازل عنه، لن يستطيعوا التنازل عنه لأنه هو ما يميزهم وهو ما جاءوا به من مجتمعاتهم الأصلية أو حتى مما تبنوه كهوية ثقافية معينة، إذا لا يمكن أن يتنازلوا عنه لأنه بعد من أبعاد شخصيتهم سواء الفردية أو الجماعاتية، إذا لا يمكن أن يطلب منهم التنازل عن بعد من هذه الأبعاد من أبعاد هويتهم التي بنيت في إطار وسياق معين، لكن يمكن بالمقابل استثمار هذا البعد من أجل إدماجهم في المجتمعات الأوروبية وجعلهم أكثر فائدة، استثمار هذه الهوية الفرعية بجعلها أداة من أدوات نقش إدماج أو بل جلب وجعل هذه المجموعات والجماعات الفرعية الثقافية أكثر فائدة داخل المجتمعات الأوروبية. وشكرا، أشكركم جزيل الشكر على الدعوة وعلى الاستضافة وعلى الندوة، كانت رائعة، شكرا. Merci infiniment, Dr. Siam Cherif, que je rappelle, vous êtes docteur en sciences sociales et études islamiques. Je traduis très rapidement avant de donner la parole de clôture de ce colloque exceptionnel sur l'intégration des musulmans, les défis et les stratégies. Docteur nous rappelait à l'instant qu'il fallait remarquer de manière générale et de manière même universitaire spécifique que les sociétés européennes sont empreintes de cet aspect de pluralité culturelle, et cette pluralité culturelle devient quelque part l'héritage inhérent à ces sociétés européennes, bien sûr, de par ce regard de l'universitaire depuis l'Algérie. Elle nous dit aussi que ces sociétés qui ont ce caractère libéral, si vous voulez, mettent en difficulté quelque part l'insertion, si vous voulez, ou l'intégration, peut-être même choisir autre terme, parce que vu que ce terme a été critiqué et vidé un petit peu de son sémantisme technique depuis le début de ce colloque par la plupart des intervenants, experts, professeurs, chercheurs, voire même honorables politiques. Et elle nous dit que toute la question réside autour de ce centre suprême qui est l'identité des gens qui arrivent en Europe dans un pays donné et à qui on va leur demander, à qui on demande de s'insérer, hein, de se fondre dans une certaine entité identitaire nationale qui a été figée, forgée à travers l'histoire. Et selon
l'avis du docteur. Cela est très, très difficile pour des gens qui arrivent d'autant plus, peut-être qu'ils arrivent à un âge adulte, parce qu'ils portent en eux déjà les germes, si vous voulez, d'une identité extérieure, avec des repères sociologiques, culturels et civilisationnels autres, mais qui pour elle déboucherait véritablement comme stratégie, si vous voulez, au-delà du défi, à une richesse pour toutes ces communautés, toutes ces nations européennes qui accueillent des étrangers pour X raisons professionnelles, sociales, familiales et autres. Et que cette richesse, elle est fondamentale pour pouvoir construire cette intégration harmonieuse pour toutes les sociétés et pour ceux qui arrivent et qui revêtent nouvellement, si vous voulez, ce nouvel revêtement, nouvel habit du pays qui les accueille et à la fois sèment, si vous voulez, de manière imagée, cette nouvelle semence, ces nouvelles graines d'espoir et de paix de par leur culture, de par leur richesse culturelle. Voilà, je cède la parole principalement et finalement au président Dr Farhad Afshara qu'on remercie encore. Salam à tous. Je n'ai pas de déclaration à faire, mais je me pose une question. Pourquoi la société laïque est-elle si islamophobe? Le terrorisme serait-il vraiment la seule raison de tant de haine? Ou c'est plus profond et moins rationnel? Voilà une société de foi islamique qui a des valeurs existentielles claires. La majorité d'entre eux sont d'originaires de milieux défavorisés. D'autre part, la société post-industrielle qui dessous le sujet de l'histoire et individualise le sang existentiel, comme le dit Maxwell Kalman. Le sang devient disponible comme un produit dans un grand magasin. Les musulmans de Suisse sont très intégrés. Et malgré cela, la population vote contre les musulmans lors de deux référendums. Qu'est-ce qui rend la société démocratique si furieuse contre l'islam? Je ne sais pas, je vous demande. Merci beaucoup pour votre présence. Merci infiniment, Président Farhad Afshara, Président, je rappelle, de la coordination des organisations islamiques de France. Je remercie. Alors, cette question existentielle et peut-être même méta-existentielle, si vous voulez, qui nous est posée à travers cette interrogation du président, nous concerne et nous concernera davantage à jamais. Je crois que par le biais de ce colloque exceptionnel concernant cette thématique de l'intégration, ou en tout cas des musulmans en Europe, les défis et les stratégies actuelles de par la pluralité des axes et des dimensions et auxquelles tous les représentants, en tout cas tous les intervenants, le politique, qu'ils soient professeurs, chercheurs, responsables aussi religieux, je remercie vivement, infiniment pour leur participation, leur éclairage, leur contribution qui relève aussi de cette semence, si vous voulez, cette semence qui sème le terreau de notre humus, notre humanité qui est peut-être le don et l'héritage le plus sacré de Dieu, hein, sur le plan ascensionnel, et le plus sacré de nos nations, de nos pays, nos propres pays, notamment ici je parle de la France, en tout cas de la Confédération, avec tous ces cantons et ces différences, voire ces harmonies, ces oppositions et ces compositions. C'est quelque chose qui nous est fondamental pour l'avenir. Ce colloque, voulu initié bien sûr par président et docteur Farhad Afshara et monsieur Zahri
Je le remercie infiniment pour pouvoir nous avoir permis d'être là tous ensemble à une heure tardive. On a dépassé, comme vous le voyez, en tout cas l'ordre du jour de plus d'une heure et demie, et vos contributions resteront à jamais ancrées, si vous voulez, en nous, qui souhaitent peut-être prendre la parole pour une deux dernières petites minutes concernant l'interrogation, en tout cas la question du président, parmi les chers intervenants qui sont encore avec nous, peut-être. Alors, quel professeur, chercheur ou responsable? Docteur Dora, peut-être, je souhaite, je vois que, oui. Écoutez, moi, je suis très heureuse, en tout cas, d'avoir eu l'occasion d'écouter cette pluralité d'interventions et d'ailleurs d'en connaître davantage sur le contexte suisse, parce qu'on parle, finalement, je retiens quelque chose, c'est qu'on a peu parlé dans ce colloque, mais peut-être que ça fera l'objet de futures discussions, d'un phénomène qui nous dépasse tous, le phénomène de la globalisation. C'est-à-dire qu'avec l'étendue des réseaux, avec les frontières, bon, hors Covid bien entendu, avec les frontières qui sont de plus en plus ouvertes et avec la porosité des espaces, et on a pu le voir en tout cas dans la gestion et dans la prise en compte des phénomènes, par exemple, de contestation religieuse. En fait, si vous voulez, les allées et venues, les allers-retours, par exemple, de formation, donc dans le monde arabe, mais ça aurait pu être des installations au cœur de l'Europe. Je pense qu'il faudrait aussi, dans cet objet, prendre en considération réellement la globalisation telle qu'on entend, qui dépasse un peu le cœur de notre objet d'intégration. Finalement, on s'intègre à qui et à quoi et à quel espace. Voilà, c'était juste pour conclure. Merci infiniment, docteur de Ramamri. Alors, je salue au passage, je le vois à l'instant sur l'écran, mon ami et frère Jean-François Moulinet, qui était parmi nous aujourd'hui, un grand artisan de la paix, un grand artisan de la paix, de la connaissance, membre de l'UPF, Universal Peace Federation. Et d'ailleurs, je salue tous les amis qu'on connaît communément, moi et lui, qui peut-être n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Je remercie alors vivement, mais vraiment vivement, tous les organisateurs à la tête, bien sûr le président et le président de professeur Farhad Afshar, qui œuvre, je le rappelle, pour l'Union, qui œuvre pour l'union de toutes les sensibilités religieuses en Suisse depuis plus de 40 ans, membre du Conseil des religions en Suisse. Et cette œuvre, mais véritablement et de manière incontestable, restera à jamais, impactera à jamais la Suisse, et pourquoi pas au-delà des frontières de la Suisse, comme un exemple de tolérance, un exemple de représentativité de toutes les mouvances et les sensibilités religieuses, qui collaborent d'ailleurs de manière étroite avec d'autres sensibilités religieuses, catholiques, protestantes. Nous avons eu tout à l'heure un intervenant qui œuvre aussi pour ce dialogue profond et inhérent, M. Roberto Simona, qu'on remercie d'ailleurs, que je remercie à nouveau pour sa participation et pour toute l'œuvre qui met en action depuis plusieurs années. Alors, je ne cesserai de remercier tout le monde, hein, les chercheurs qui travaillent aussi dans les laboratoires depuis tant d'années et qui nous éclairent aussi, qui, par cette transversalité ou voire globalisation, pour reprendre le terme de Dr Mahamri et d'autres professeurs et docteurs, nos chers politiques qui ont été là au début de ce colloque exceptionnel et qui ont manifesté aussi leur volonté toute, hein, en Suisse notamment, leur volonté toute à répondre, si vous voulez, à cet appel profond du Kairos, à savoir la réunification, l'union des musulmans, les chiites, je le rappelle, hein, les chiites et les sunnites, qui est fondamental pour pouvoir
trouver ce terreau de semences de la paix, de l'harmonie pour pouvoir faire face contre la violence, la radicalisation, l'extrémisme qui nous souille, pour utiliser un terme peut-être un peu littéraire, qui nous souille depuis plusieurs années et qui aussi est un outil de parfois aussi de manipulation d'extrémistes qui sont inscrits dans l'exclusivisme, qui exclut tous les autres, qui n'accepte pas tous les autres, qui n'accepte même pas le dialogue, si vous voulez, dialogue qui est le fiat, notre fiat à tous, le fiat de la connaissance, du savoir, de la lumière, qui est notre patrimoine universel à toutes et à tous. Je remercie vivement, mais vraiment infiniment, tous les participants. Je vous donnerai, bien sûr. Et puis, vous savez que ce colloque est le 15e colloque organisé par le CRI, enfin, le CRI Voix des Victimes, en association et sous l'égide de la FICA, Fondation Islamique et Culturelle d'Ahlul Bayt, et notamment le CAIOS présidé par Dr Farhad Ashfar. Coordination des organisations islamiques suisses. C'est le 15e, il marque aussi une histoire, une œuvre, une volonté commune, associative à la fois par le biais des partenariats, une véritable volonté de travailler avec tous les partenaires publics, notamment interinstitutionnels, institutionnels, au niveau aussi académique, scientifique, intellectuel, et au niveau aussi qui donne la parole et qui travaille main dans la main avec tous les représentants religieux et non religieux, les acteurs associatifs aussi. Notre travail est acharné, il est inscrit sur, si vous voulez, sur les frontons de nos êtres de manière pérenne, ce travail de pacification des âmes, d'unification des musulmans et d'unification des citoyens tout court, en un seul mot. Ce travail doit être la manière, enfin la finalité suprême de tout être et surtout de représentants aussi honorables que vous. Je vous remercie vivement, infiniment pour votre présence, votre collaboration. À très très bientôt. Le CRI Voix des Victimes et le CAIOS coordination des organisations islamiques de Suisse continueront à œuvrer pour la paix, pour l'union des chiites, des musulmans et de toutes les minorités, de toutes les sensibilités en Suisse et pourquoi pas être l'exemple et le promoteur pour tous les autres, nos chers voisins français, allemands, italiens, autrichiens, etc. Voilà, je redonne la parole au président du CRI Voix des Victimes, Monsieur Dahri, à vous la parole. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci, Monsieur Boumedine, je n'aime pas tarder. Merci à tous les participants qui sont restés avec nous. Merci à Dominique, merci à Dora, merci à Monsieur Roberto Simona, Sihem, Mourif, tout le monde. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous pour le 28 août avec Jeunesse et droit, quelle problématique. Et puis, avec Dora aussi, l'islam politique, le 23 octobre ou le 7 octobre, Dora. Ah, d'accord. Et puis, religieux, le fait religieux entre école et société. Merci beaucoup à nous, aux partenaires. Merci à professeur Farhad Afshahar, au FICA, la Fondation Ahl Bayt, un exemple de partenariat pour l'unité, pour la paix. On vous appelle tous à prier pour la paix à l'Orient, oui. Pour épargner les victimes civiles, pour que la protection règne sur les lieux de culte, et pour que protéger le Quds comme un lieu de culte universel. On vous donne aussi rendez-vous avec Dominique Natchon, Michel Collin, Cheikh Mouhajer, professeur Al-Akhdari et le grand Tifek Atallah pour prier ensemble pour la paix à la Moyen-Orient dimanche à 18h. Merci beaucoup, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir.